Ce canard est un scandale! Bonsoir, nous sommes le jeudi 7 janvier et comme tous les 15 jours, vous êtes devant l'émission de Canard PC et vous avez bien raison. Pour cette première émission de 2021, nous avons réuni un plateau un petit peu différent d'habitude. Vous savez qu'à Canard PC, nous avons le cœur sur la main. Nous sommes toujours prêts à donner un conseil, un coup de pouce. Alors évidemment, quand on nous demande s'il serait possible de participer à notre émission pour pouvoir se former auprès de professionnels aguerris, améliorer sa propre pratique professionnelle de streamer amateur, voire envisager une reconversion professionnelle vers le rôle d'animateur, moi je ne peux pas refuser. Je vous demande donc d'accueillir avec bienveillance Agbou qui va participer exceptionnellement à cette émission. Ça va Agbou, pas trop intimidé quand même d'être à la table des grands? C'est effectivement, là je découvre un peu le show business, les lumières, tout ça, il y a un plateau énorme devant moi, il y a des spotlights, c'est très intimidant, mais écoute, je vais essayer d'être à la hauteur, et puis je vais prendre des sons, quoi. Je vais voir un petit peu comment tu fais, je voudrais bien faire pareil un jour, j'aimerais bien être un adulte moi aussi. Très bonne résolution. Pour le guider lors de cette expérience un petit peu impressionnante, j'ai autorisé la présence de son tuteur, qui est aussi son coach mental, Noël Malware. Merci Noël d'être avec nous. Ouais, mais alors très très déçu, enfin déçu, surpris, choqué et déçu par ta tenue Yvan. Alors très bien, de ce côté-là très bien, un peu peur que ce soit juste la bonne résolution de la nouvelle année, et on sait ce que ça devient en général dans quelques mois, un nouveau t-shirt, mais alors Agbou. Alors là, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire, quoi. Ouais, mais c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu arrêté de mettre chemises et tout. Parce que là, tu sais, je vis en jogging depuis un an, là, donc c'est dur maintenant de mettre des chemises. Ça sert et tout. Et puis j'ai un peu grossi, donc ça vous dit, voilà, c'est compliqué. Ah, mais là, on est presque au niveau de l'irrespect, quoi. Non, mais attends, c'est pas mal, il y a quand même un petit t-shirt, un petit pull colvé assez élégant, voilà, et je me suis douché. Ah. Tiens à le dire, il y a une demi-heure en catastrophe, mais voilà, je me suis lavé les dents, j'ai du déodorant, voilà, c'est pas non plus. Très bien. Bon, écoute, Noël, n'hésite pas à m'interrompre si tu dois souligner un autre point important auprès d'Agbou au cours de l'émission. Hein. Priorité à la formation professionnelle. Tout à fait. Allez, trêve de plaisanterie. Je suis très, très heureux de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Chips et Noix, le duo de commentateurs qui a fait applaudir les compétitions de League of Legends jusque dans les foyers les plus reculés de Montargis. Ceux qui ne les connaissent pas ont passé ces 10 dernières années dans une caverne ou dans les archives de Canard PC. Messieurs, soyez les bienvenus. Salut Yvan, merci beaucoup et désolé à tous les spectateurs de CPC qui sont pas des grands fans d'e-sport. Voilà, on fera en sorte que ce soit le moins barbant possible. Mais non, mais il y en a plein. D'abord, il y en a plein. Malheureusement, il y a plein de lecteurs de RPC qui aiment. Il y en a pas mal, et puis vous êtes des gens super intéressants, il va se passer des trucs bien, tout va bien se passer, vous allez voir. Dis-moi donc, Chips, comment ça va ce début d'année ? Eh bien écoute, ça va pas mal, hein. On travaille, on a pas mal de choses à prévoir, on a pas mal de choses à mettre en place, mais on est content parce qu'on peut enfin le train des annonces suisses suit son cours, tu vois, et on va en parler, on est super content parce qu'elles sont très très bien reçues à chaque fois. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous les viewers et lecteurs de Canard PC. Dis-moi un truc, dans les duos de commentateurs sportifs traditionnels, je vais vous épargner les parallèles avec un sport bien connu, mais il y a quand même des rôles qui se répartissent un peu naturellement. Il y a genre un pédagogue et un analyste un peu pointu, un rigolo, un sérieux, un optimiste, un prudent, un réac, et puis un type un peu plus ouvert. Toi, c'est quoi ta zone de confort dans votre duo ? Bah, en réalité, je pense que je sais que d'habitude les gens se répartissent beaucoup plus la tâche, tu vois, mais chez nous on est parti d'une logique qui est que en réalité faut savoir un peu tout faire.
Dans notre histoire, on s'est construit en n'ayant pas beaucoup de moyens et en galérant pas mal. Du coup, on a fini par pas mal toucher à tout. Et puis moi, en fait, après quasiment 10 ans à commenter, ça m'emmerdait un peu, tu vois. Enfin, ça m'aurait emmerdé de juste me cantonner à quelque chose. Donc moi, j'aime bien toucher à tout. Après, je me prétends pas aussi expert technique, tu vois, qu'un joueur comme on a un membre de notre équipe qui s'appelle, enfin son pseudo c'est Tréton, et qui lui est un challenger. Il joue dans le top 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 Europe, par exemple. Donc, je me prétends pas aussi expert que lui, mais je pense que j'ai mon petit bagage technique, ma petite compréhension des choses, et j'aime quand même bien crier dans un micro et faire vibrer les gens. Donc pour moi, Noix comme moi, on est des mix en fait, on fait un peu tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un dominant quand même? Je sais pas, mais moi j'aime bien être à droite quand on s'assied au bureau. Ouais, voilà. Ah ouais, mais sérieusement, vous avez des positions? C'est en fonction de la distance à l'écran, mais moi j'aime bien être le plus proche possible de la droite de l'écran, parce que c'est là où il y a la minimap. Et généralement, c'est un peu ce qui se fait. D'accord. Et c'est qui le meilleur à League of Legends des deux? Et est-ce que ça crée un peu une situation de domination de l'un par rapport à l'autre? On est tous les deux nuls, et après il y en a un qui est moins nul que l'autre en fonction du nombre d'heures qu'il joue sur la période. Donc je dirais qu'en ce moment, Chips est quand même meilleur que moi, et que c'est un peu moi le petit boudin. Moi je fais des games de LoL à 5h du matin en ce moment, donc je suis motivé. D'accord. Et du coup, quand vous castez l'un ou l'autre avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez une approche différente du commentaire? Je m'adapte. Moi perso, je m'adapte au profil de la personne à côté. Comme j'estime que je touche à peu près à tout, je vois en fonction. Et si la personne est aussi un peu un touche-à-tout, ce qui est le cas de certains autres commentateurs, comme Twix par exemple, qui fait partie de notre équipe, eh bien, on se répartit les choses un peu en fonction. Peut-être que je crée un peu plus que Twix, mais sinon, c'est je m'adapte. Je me considère un peu comme l'eau du cast. En fonction du terrain, hop, je suis. D'accord. Bon, très bien, on va reparler de tout ça plus en détail tout à l'heure. Si Chips et Noix sont avec nous ce soir, c'est qu'ils sont un peu au cœur de l'actualité en ce moment, vous l'avez bien compris. Et on va en parler, mais j'ai juste deux petites annonces à vous faire. En ce début d'année, on a deux magazines à vous montrer. Alors, j'en ai un qui est là. C'est le Canard PC du mois de janvier, avec les tests de Cyberpunk, de Immortal Phoenix Rising. Un dossier super intéressant sur Playway, c'était cet éditeur polonais qui inonde le marché de jeux de simulation sur tout et n'importe quoi. On a aussi un Canard PC Hardware que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai oublié de le sortir de mon sac, mais qui retrace toutes les évolutions du matos en ce moment, qu'on parle des nouvelles cartes graphiques, des CPU ARM de Mac et autres, ou des consoles next-gen. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre dans votre kiosque. Mangez-en, c'est plein d'oligo-éléments et de drôlitudes, et c'est très bon pour les défenses immunitaires contre le bullshit marketing en ce moment. Un petit mot également, avant de vraiment démarrer au cœur de cette émission, pour nos petits camarades qui s'agitent en régie pour faire de cette émission une vitrine du savoir-faire canardien. Merci à Sylvester Standalone qui pour la préparation et la réalisation, ainsi qu'à Monsieur Chat qui mitonne avec amour les petits raffinements et les améliorations visuelles que vous allez pouvoir observer ce soir. Et merci aussi aux modérateurs. Merci également, tu as raison de le souligner, aux modérateurs qui sont parmi vous dans le chat, qui nous aident beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. On va faire une bonne émission tous ensemble. Place à l'actualité. L'actualité du moment dans le petit monde de l'e-sport et du stream français, c'est vous, messieurs Chips et Noix. Après avoir, je vais vous présenter quand même un peu, après avoir fait partie des cofondateurs de la société Ogaming, que d'ailleurs on connaît bien à Canard PC, hein, puisque c'est avec Ogaming et dans les studios d'Ogaming qu'a commencé cette émission de Canard PC il y a maintenant 2 ans. J'ai reconnu les toilettes dans le générique. Exact. Vous avez annoncé donc tous les deux en octobre, en novembre dernier, que vous quittiez la société. Fin octobre. Fin octobre, Fin octobre. voilà. Pourquoi vous avez fait ça? Aïe. Je te laisse la balle. Alors, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait des désaccords profonds et irréconciliables sur
sur un certain nombre de sujets et comme la boîte devait sans doute aller dans un sens ou dans le sens avec lequel on n'était pas en accord, eh bien on a décidé que ça nous convenait pas. Et disons que un des trucs, c'est, tu vois, c'est au gaming, ça a été notre premier boulot et je pense qu'on a pas mal galéré, mais une de mes fiertés personnelles, ça a toujours été de me dire que j'étais un peu maître de mon destin, et quand un truc m'allait vraiment pas, ça ne se passerait pas. Et comme les choses évoluaient dans un autre sens, voilà, je pense que pour nous, c'était impensable d'évoluer dans une situation où on n'avait pas, ou avec laquelle on n'était pas en accord. Donc, l'évidence s'est un peu imposée à nous au bout d'un moment, on a dû faire le choix de partir, quoi. Mais c'était pas forcément notre choix favori. Mais voilà, il y a des fois, faut savoir faire des choix difficiles. Mais du coup, ce que vous faites, c'est vraiment, enfin, ça rentre vraiment en concurrence avec ce que vous faites au gaming. Enfin, ce que fait Disons, toujours ouais. d'ailleurs au gaming. On monte forcément, alors forcément, ça fait pas plaisir, je pense, au gaming, ça n'a pas dû leur faire du bien parce que les annonces pour les droits de diffusion ont été annoncées, donc ça a été sorti aujourd'hui. On va en parler, ouais. Ouais, on s'en sort avec quand même beaucoup de contenu, donc forcément on se bat un peu sur le même terrain, le terrain du streaming, terrain du média. On monte une boîte de prod à côté, donc oui, on va être dans une concurrence avec Ogaming, c'est sûr, et avec beaucoup d'autres acteurs du milieu. Mais c'est les mêmes jeux aussi. Oui. Oui. Eh ouais. Ouais. Eh ouais, mais. Bah ouais, mais ça, que Non, dire, parce que... Eh ouais. on a commencé sur League of Legends et c'est notre terrain, tu vois, donc enfin. On compte jouer sur notre terrain dans tous les cas, tu vois, et encore une fois, c'est que la première année, quoi. Ouais, Ok. mais c'est la guerre, quoi. Alors, c'est la concurrence. Non, Pour être plus poli. Moi j'ai une question, c'est que bon, ce que vous faites, c'est juste commenter du jeu vidéo. Comment est-ce que vous pouvez être en désaccord sur sur les évolutions qu'il va y avoir? Parce que vous allez continuer à commenter du jeu vidéo, que ce soit enfin n'importe où, quoi. C'est quoi en fait, ça a été quoi le point d'achoppement? C'est pas uniquement un média au gaming, il y a beaucoup de choses. Il y a une grosse partie de boîte de prod, il y a plusieurs médias. Il y a carrément des orientations parce que Internet et le streaming, le milieu du streaming, c'est en plein développement, il y a beaucoup d'orientations. Et il y a des projets, il y a des changements qui touchaient à certains points qui nous paraissaient très importants. Désolé de rester assez vague, malheureusement, on ne pourra pas rentrer dans le détail, qui étaient irréconciliables et qui, de notre idée, je vais pas dire dangereux, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais qui, de notre idée, en tout cas, ne correspondait pas du tout avec notre vision de comment pratiquer notre métier. Parce que il y a un peu ça aussi dans ce qu'a dit Chips, qui était on voulait rester maître de comment on pratiquait notre métier, comment on le communiquait à l'audience. Et il y avait des changements par rapport à ça. Alors je sais que c'est très flou et que ça aide pas à se faire une idée. Je te Et c'est confirme. ouais. Ouais, je suis désolé, hein. Et c'est aussi pour ça que dans la recréation d'OTP, on n'est pas allé vers des gros acteurs qui nous auraient imposé leur ligne éditoriale, leur façon d'intégrer des sponsors, leur façon de parler au public avec un moins de contrôle sur les shows, parce que finalement un produit e-sport ou une diffusion, ça peut très vite être parasité par énormément d'éléments, et c'est tous ces éléments en vrai où on n'était pas vraiment d'accord. D'accord. Bon, je voudrais quand même qu'on, pour la frange peut-être de notre lectorat qui mesure pas forcément pourquoi on en fait autant sur votre départ et votre situation, pour bien comprendre pourquoi c'est une annonce qui a quand même secoué la scène du streaming et plus généralement de l'e-sport en France. Il faut quelques explications. Donc, très rapidement, depuis 9 ans, vous êtes les figures de proue, disons, d'un des jeux les plus importants de la scène e-sport, qui est League of Legends. Et je voudrais citer quelques chiffres pour ceux qui ne se rendent pas compte de ce que représente la compétition sur League of Legends, pardon, en France, rien qu'en France. Donc vous étiez chez Ogaming, les responsables de la chaîne Ogaming LOL, je crois. Tout à fait. Alors sur Twitch, Ogaming LOL, c'est 564 000 followers. Donc c'est une chaîne qui concurrence les plus gros streamers français. Alors peut-être pas ceux qui sont à des millions, genre Squeezie et Gotaka,
Bon, Domingo, c'est dans ces eaux-là. Ça dépend les maîtrices que tu prends en réalité. Oui, hein. Oui, bien sûr. Je te parle c'est, des followers. C'est niveau Canard PC, quoi. Ouais, c'est un petit un peu en dessous de Canard PC, mais. Voilà. Mais nous, on existe depuis moins plus moins longtemps. Moins prestige que Canard PC, mais c'est dans moins généraliste. Un gros match que vous commentez, ça fait quelle audience en live environ? Par exemple, les Worlds 2020 là, de Shanghai, ça fait quoi comme audience? On est monté au-dessus de 100K, non? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a plein, de métriques sur Twitch. Ce qui marque le plus les gens, c'est les concurrent viewers, donc le nombre de personnes qui sont connectées au même moment. C'est le genre de chiffre qui marque. Mais en réalité, il faut savoir que c'est vraiment une toute petite partie des chiffres qui comptent quand tu parles à des sponsors ou à des entités extérieures. Une des données qui compte le plus, c'est les heures vues notamment, qui aident à voir, et puis aussi bon le nombre de viewers moyens par exemple, mais les heures vues, je dirais que c'est ce qui compte le plus. Et donc, je dirais que bon, ce qui marque le public encore une fois, c'est les concurrents viewers. Donc je crois qu'on était monté à plus de 100K en concurrente pendant la dernière finale des Worlds. Un peu plus, Charles? J'ai un doute. Je vois passer sur le chat un petit 130 000. Ouais, c'est 130. Dans ces eaux-là. On voit que c'est quand même des chiffres qui sont gigantesques. Ouais. Fin 2019, vous commentez la finale des Worlds à Bercy. Il y a 15 000 spectateurs, c'est ça, dans Bercy? Je sais pas si la configuration était en configuration pleine jauge, etc. C'est peut-être 12K. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Et à l'époque, on avait même laissé entendre que vous auriez pu voir plus grand, mais que ça voulait dire ne pas être dans une salle, c'est-à-dire avec les inconvénients de l'extérieur, etc. En fait, ils auraient bien aimé, je pense, aussi la U Arena, la Défense, il y avait des choses comme ça, mais en fait, c'est pas en partenariat avec la ville de Paris, et c'est ça qui a orienté leur choix, c'est qu'il y avait un gros dispositif de com, notamment avec Louis Vuitton, avec la mairie de Paris, avec Versailles, etc., avec la Tour Eiffel, et je pense que vu que l'Accor Arena était inclus là-dedans, à mon avis, c'est ça qui a décidé le choix final. D'accord. Donc tout ça, c'était pour tracer un petit paysage. Voilà, on parle d'un truc qui est quand même, qui peut être complètement. C'est ça qui est bizarre avec l'e-sport, c'est que ça peut être complètement ignoré par une frange très importante de la population, et en même temps, c'est un truc qui est vraiment grand, quoi. Donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir. C'est aussi parce que on n'a pas l'occasion souvent de parler e-sport, et pour une fois qu'on a des spécialistes qui font l'actualité, on est très heureux de vous recevoir. D'ailleurs, on aurait pu vous avoir sur le plateau il y a 2 ans quand on a commencé les émissions chez OGaming, parce qu'il en avait été question, puis ça s'était pas fait, je sais plus pour quelle raison. Parlons un peu du futur. Vous quittez OGaming, vous créez une nouvelle structure qui s'appelle One Trick Production. Donc ça va être une web télé, on peut dire ça? C'est une boîte de prod. Ouais. C'est une boîte de production en réalité, et dans notre activité se glisse bien sûr tout le volet web TV et commentaires de compétition de League of Legends qui est le truc pour lequel on est véritablement connu. Maintenant, on a avec nous toute une équipe qui est extrêmement compétente et qui est capable de répondre aux besoins d'éditeurs. Enfin, faut voir que une grande partie de notre activité à terme sera méconnue du côté du grand public, mais on a toutes les compétences pour continuer à bosser avec des éditeurs, pour leur proposer des programmes sur mesure, pour faire de la marque blanche pour eux, pour leur créer du contenu. Donc on fait beaucoup de choses à côté, mais c'est beaucoup moins vu et connu par le grand public. Donc One Trick Production, OTP, c'est une référence à un terme de League of Legends, on en parlait dans le chat juste avant que l'émission démarre. Vous pouvez nous l'expliciter? Ouais. Vas-y. Vas-y. Alors, OTP, c'est pour One Trick Pony. Le fameux One Trick Pony, c'est... c'est League of Legends, ça a un peu traversé, c'est un peu multijeu, c'est plus gaming, mais peut-être moins connu dans d'autres communautés, qui est tout simplement le fait de spammer un seul et même truc. C'est le One Trick Pony, par exemple, je sais pas, sur StarCraft, ça va être le One Trick Pony qui va jouer des Zerglings, quoi. Sur League of Legends, ça va être le One Trick Pony, Garen, qui est un champion du jeu. C'est vraiment, j'ai une seule corde à mon arc et je fais ça. D'accord, je me spécialise dans un seul truc, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça va pas être ça, la chaîne. Bah, en fait, la chaîne LOL, si, elle est spécialisée sur League of Legends, mais après on compte bien être spécialisé dans plein d'autres choses. Ah, vous allez faire du multigaming après? Bah, encore une fois, après,
En fait, le truc, c'est que pour lancer un autre média, si tu veux lancer quelque chose de la taille d'un média sur League of Legends, tel qu'on l'envisage, tel qu'on veut le faire là, il faut quand même un jeu qui a énormément de présence et de contenu en live. Il faut aussi beaucoup de gens qui suivent potentiellement, et enfin voilà, parce qu'il faut rentabiliser une telle activité. Si tu décides d'aller tous les jours sur du contenu live, il faut qu'il y ait suffisamment de gens pour suivre, il faut qu'il y ait des sponsors aussi et des entités extérieures qui aient envie de s'associer à ton contenu. Donc il faut quand même un écosystème qui est assez gros pour lancer ce genre de choses. C'est pour ça que c'est pas évident. En France, t'as dans le genre, t'as StarCraft 2 par exemple chez Ogaming. Ça marche encore StarCraft 2. Ouais. Ils ont des fidèles, hein, ouais. Ils ont ça des marche. Irréductibles qui ne bougeront jamais. J'en ai encore regardé il y a pas longtemps et ça se regarde toujours bien. Ah, c'est le confinement, hein, parce que ouais, StarCraft 2. Ça reste quand même un très très bon jeu à regarder en e-sport. Hein. Et c'est quoi les jeux actuellement qui pourraient vous intéresser? Parce que, bon, alors moi, par exemple, moi, le jeu qui m'intéresse en ce moment, c'est Rocket League. Est-ce que Rocket League, ça a atteint une taille critique depuis le. J'ai vu que les chiffres avaient beaucoup augmenté avec le confinement, là. Est-ce que ça a atteint une taille critique pour vous intéresser? Ou est-ce qu'un jeu comme Rocket League, ça reste trop niche pour votre projet? Alors, il y a différents types de collaborations. Par exemple, on va dire que League of Legends, on crée un média chez nous, on se charge nous-mêmes de monétiser l'audience. Il va y avoir, par exemple, les marques blanches. Par exemple, Rocket League, peut-être qu'on n'a pas de quoi monter un média, ou que c'est peut-être compliqué de monter un média à l'année parce qu'il n'y a peut-être pas assez de compétition. Mais est-ce que organisé en marque blanche, c'est-à-dire sans être visible, l'éditeur a besoin de créer sa compétition de Rocket League et a besoin de diffuser en français. Ils veulent que ce soit diffusé sur la chaîne Rocket League FR, mais il faut que quelqu'un fasse la technique. Une entreprise comme OTP dit nous on s'occupe de tout, on le diffuse où vous voulez, on met pas notre nom, on apparaît nulle part, c'est votre produit et c'est directement financé comme ça. Donc il y a ce genre de collaborations qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est purement de la production de visuel avec un projet qui est payé, une marge qui est calculée, etc. Donc c'est des projets qui sont relativement sans risque. Donc ton nom apparaît que sur le chèque. Ouais, après, en réalité, je pense que Rocket League, c'est propice à faire plus. Oui, c'est ça. Ouais. Il est content, vous allez voir. Dans 10 ans, ça sera énorme. Mais on peut regarder directement le grand champion. Ouais. Mais après, ça dépend. Il faut être très alerte sur les jeux qui sortent et sur les tendances. Est-ce que c'est un truc qui marche ou pas? Mais voilà. Enfin, nous dans les trucs qu'on considère aussi fortement et on s'en cachait pas à l'époque, c'est quelque chose comme Valorant, par exemple. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là aussi, donc on va voir. Apex, Overwatch... Alors Overwatch, par exemple, c'est que de la marque blanche. Mais c'est que de la marque blanche. Par contre, justement, bon, LOL, vous en avez casté pendant 8 ans, vous disiez, et j'essaie de créer une nouvelle structure, ça aurait aussi pu être l'occasion d'aller vers un meilleur jeu, comme Dota 2, par exemple. On adore Dota 2. Mais figure-toi que les gens qui gèrent Dota 2 en France, c'est Gozulting, qui sont à notre capitale. Il y a eu un rapprochement. Bon, après, il y a déjà la Frogat TV, mais... Non, mais honnêtement, moi, ça me manque vraiment beaucoup d'avoir plus de Dota 2... que ce que je vois actuellement, donc vraiment. Ouais, mais le problème de Dota 2, c'est que justement, c'est un jeu qui a peut-être pas la taille critique pour. Enfin, en tout cas. C'est quand même énorme aussi. Hein. Bon, c'est énorme, mais, ouais, mais en France, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une apothéose au niveau du TI, et après le reste de l'année, il y a quand même assez peu de compétitions, avec des droits parfois qui sont très chers. Hein. Parfois, juste une compétition chinoise, on te demande 150 000 euros pour des droits pour un truc de Dota, et là tu dis, mais comment je rentabilise ça? Enfin, 150 000 balles pour un stream français, c'est impossible. Ouais, c'est pour ça que c'est à faire vivre sur l'année, c'est assez dur. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord que c'est surtout concentré sur The International, et c'est dommage, parce qu'à mon avis, justement, il y aurait quelque chose à faire avec tous les majors qu'il y a sur toute l'année, enfin, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Après, si tu me dis qu'ils demandent des sommes astronomiques pour avoir les droits, bon, effectivement, ça verrouille un petit peu tout, quoi, et c'est dommage. Ouais, mais j'ai envie de dire, on a déjà LOL, est-ce qu'il nous faut encore un autre MOBA? Mais non, mais pas un autre. Diffusé. Est-ce que notre société n'a déjà pas assez souffert avec le Covid? Est-ce qu'il faudrait pas un autre commencer à diffuser des jeux un peu cool, quoi, en fait, comme du Rocket League? Hein. Rocket League, c'est un très bon jeu, hein, vraiment. C'est mieux que le même. Hein. Alors, ça dépend des sensibilités, je pense, mais c'est assez top of the list, je pense, mais en termes de perspective. Mais moi, du foot et des voitures, c'est tout ce que j'aime. Hein. Non, mais... Dans ce cas-là, autant regarder directement le foot, quoi, Agbou.
Franchement, vraiment quoi. Non, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens sur le, il y a beaucoup de gens sur le chat qui demandent ce que c'est qu'une marque blanche. C'est ah, vrai qu'on l'a pas ah, expliqué. Ouais. Prenons le cas de l'Overwatch League. Blizzard veut avoir la langue française qui suit sa compétition d'Overwatch League, qui à chaque fois qu'il y a l'Overwatch League, eh bien, il y a une diffusion française qui soit regardable par tout le monde. Il y a plusieurs choix. Soit ils disent, ce que peut faire Riot, parfois ce qu'a fait Riot pendant longtemps, j'ouvre les droits, débrouillez-vous, c'est pas mon problème, chacun a le droit de streamer ma compétition. Ça, on va dire que c'est plutôt l'e-sport de l'ancien temps. C'est-à-dire que c'est l'e-sport où les éditeurs n'avaient pas d'argent à mettre dans l'e-sport. Maintenant, c'est quand même un plus gros budget marketing, il y a de l'argent. Donc là, ce que va vouloir faire Blizzard, il a deux choix sinon. C'est j'internalise, et donc je recrute une équipe chez Blizzard pour faire le travail qui va s'occuper de la diffusion de l'Overwatch League, ou alors je vais faire appel à un prestataire qui va tout faire pour moi, dont le nom va pas apparaître, je vais payer ce prestataire et je vais donc outsourcer ma production de visuels. Et donc ils vont faire appel à des boîtes de prod, donc ça peut être au gaming, ça peut être ZQSD, ça peut être OTP maintenant, wink wink Blizzard. Et il va dire, eh bien écoutez, voilà, il va y avoir un appel d'offres, et il va dire, bah voilà, tout le monde va répondre avec, ben j'ai mon cahier des charges à respecter, avec j'ai un bureau de, pour commenter, j'ai une zone d'analyse, j'ai 6 caméras, j'ai 45 projecteurs, j'ai un ingé son, j'ai telle régie, j'envoie telle image, je diffuse ça sur la chaîne Overwatch Blizzard FR et à la fin, eh bien, tu me payes 250 000 euros parce que je t'ai tout fait et je récupère rien, c'est pas mon produit, tu mets la pub que tu veux, tu mets les sponsors que tu veux, ça ne me regarde pas, tu le mets sur la chaîne que tu veux et moi j'apparais probablement, voilà, comme vous l'avez dit, eh bien, j'apparais sur le chèque et après c'est au à l'éditeur de savoir quelle mise en avant il veut mettre de son partenaire. Mais c'est vraiment ça la marque blanche, c'est-à-dire c'est de la production audiovisuelle pour le compte de quelqu'un d'autre. Exactement, comme une boîte de production à la télévision. Quoi. Exactement, oui. Comme Endemol qui va vendre des programmes à TF1 par exemple. Voilà. C'est de la marque blanche. On ne sait pas que Love Story c'est fait par Endemol, c'est diffusé sur TF1. Enfin on le sait, mais bon. Oui, voilà. Mais c'est vous qui, quand vous faites de la marque blanche, si par exemple on vous demande un jour de faire de la marque blanche sur League of Legends, ça va être vous les casteurs? Oui, pas forcément. Très probablement. C'est chez nous. En fait, le truc qu'il y a sur League of Legends, c'est qu'on fait quasiment de la semi-marque blanche pour certains contenus. Qui est vu qu'en fait, pour League of Legends, historiquement, il y a toujours un gros média, en tout cas depuis quand même un bout de temps, il y a OGaming, là il va y avoir OTP, il y a un gros média où tout est centralisé sur ce gros média. Et en fait, l'éditeur qui est Riot, lui, il en a à peu près rien à cogner que son contenu soit sur la chaîne Riot FR. Lui, ce qu'il veut, c'est que son contenu soit le plus vu. Donc, quelle est la stratégie pour que son contenu soit le plus vu? Eh bien, il va essayer peut-être de tout concentrer à un seul endroit, puisque va y avoir une émulation, va y avoir des gens qui vont s'accumuler, va y avoir enfin toute une production qui va se mettre autour. Donc par exemple pour le cas de Riot, eh bien, ils se sont dit bah, le plus simple c'est de tout mettre au même endroit, que ce soit la LFL, que ce soit le LC, que ce soit X ou Y contenu, et tous ces contenus vont se renforcer. Tous les éditeurs n'ont pas la même approche. Blizzard n'a clairement pas la même approche, Epic Games n'a clairement pas la même approche. Chaque éditeur fait sa tambouille en fonction de sa stratégie, je dirais. Ok, je voudrais rebondir sur ce que tu dis là, parce que bon, cet après-midi, il se trouve que vous avez annoncé le plus précisément le contenu League of Legends que vous alliez pouvoir diffuser sur donc une chaîne qui, on peut le dire, n'existe pas encore. Et c'est plutôt impressionnant. Vous avez annoncé 6 compétitions. Donc je les cite, mais en fait je sais pas à quoi ça correspond. Division 2, LFL, European Masters, LCK, LEC et les Worlds, ça je comprends. Est-ce que tu veux des précisions? Ouais, c'est quoi Division 2? Alors la Division 2, alors il faut savoir que Riot en Europe a des plans hyper... Riot en général pour le développement de son e-sport a des plans hyper ambitieux et souvent ils veulent vraiment développer un peu toutes les... Ils veulent faire en sorte que... Il y a une strate compétitive pour à peu près toutes les populations, tu vois. Bon, on touche pas encore les ménagères et tout, mais voilà. Mais il y a l'idée. Et donc en fait, la Div 2, donc il y a, pour partir de la base, il y avait avant tout une Division 1 qui est la LFL, donc la Ligue française de League of Legends. D'accord. Qui sont donc les LFL, les... c'est Ligue française. Ouais, ouais, exactement, exactement. Donc ça, c'est un circuit national. En dessous de ça, il y a un certain nombre d'équipes qui font partie de ce circuit, 10 cette année. Et donc après, tu as un deuxième circuit qui est la Ligue 2, avec des équipes qui sont peut-être moins grosses, avec moins de budget. Encore que bon, ça dépend des cas parfois, on peut avoir des surprises. Mais l'idée, c'est que les joueurs sont peut-être plus en devenir. Tu vois, LFL, c'est une question de strat. Div 2, c'est tu passes à peu près de l'amateurisme à semi-pro. Tu vois, voire pro, ça dépend vraiment. LFL,
tu passes pro, mais tu es au niveau encore en dessous de ce qui se fait le mieux, et le mieux en Europe, c'est le LEC, qui est le League of Legends European Championship, et là, c'est la crème de la crème, c'est un peu la Champions League, si on fait des comparaisons avec le foot. D'accord. Voilà. Et au milieu de tout ça, en fait, bon, l'écosystème est assez bizarre en Europe, hein, c'est très unique. Donc en fait, t'as les ligues nationales, donc t'en as une en France, en Espagne, en Allemagne, t'en as une pour les pays nordiques et la Grande-Bretagne, t'en as une pour l'Italie, voilà, tout ce genre de jeux pour la Pologne. La Russie, en fait, la Turquie, alors on va voir où s'arrête l'Europe, mais voilà. Ouais, mais le truc, c'est que par exemple, la Russie et la Turquie jouent pas dans la compétition dans laquelle les ligues nationales européennes se retrouvent. Donc t'as les ligues nationales, le meilleur des ligues nationales se retrouve dans une espèce de coupe de l'UEFA qui s'appelle European Masters. D'accord. Et au-dessus de ça, en fait, au-dessus de ça, il n'y a pas en fait de porosité entre les deux. Tu as le championnat européen d'élite, donc le LEC, où tu as toutes les meilleures équipes du type G2, Fnatic, Rogue, etc. Où là, il y a les gros budgets, il y a les meilleurs joueurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an. Et voilà, donc là, c'est une autre machinerie, un autre niveau. Mais tout le reste, en fait, tout cet écosystème national, c'est un peu l'antichambre du LEC. Et le but pour toutes les équipes, pour tous les joueurs, c'est de briller. Bon, les équipes, elles aimeraient bien pouvoir à un moment accéder au LEC parce que c'est une ligue franchisée, le LEC. Donc quand il y aura des slots qui s'ouvriront, je peux te dire que toutes les meilleures équipes nationales, elles essaieront de se mettre sur le filon pour essayer de rentrer et de prendre les quelques places qui seront disponibles. Et pour tous les joueurs en dessous, en fait, il y a tout un écosystème de compétition qui les fait progresser petit à petit. Et qui les amène peut-être au LEC pour les meilleurs d'entre eux. Après... Riot a mis en point un système en fait où le but c'est de prendre le joueur lambda, donc moi, toi, etc., et de mettre des compétitions par niveau qui sont censées au fur et à mesure détecter les talents et les faire progresser dans la compétition au-dessus. Donc ça commence même à la grosse ligue qui est une ligue étudiante. Avant ça, on pourrait même penser à Clash qui est un format de tournoi directement dans le client du jeu. Donc en fait, le Clash va te pousser vers la grosse ligue va te pousser vers la deuxième division va te pousser vers la LFL qui va te pousser ensuite pour le LEC. Et grosso modo, un peu comme ça, il renouvelle les talents, parce que on a eu je dirais 2013, 2014, peut-être 2015, des années où on avait un gros manque de renouvellement de talents, et ils ont mis en place en Europe tout ce système pour faire émerger des nouvelles têtes. Mais d'accord. Vous donc ce bordel, la ouais. Ligue, vous la ligue la plus basse que vous diffusez, c'est la division 2, c'est ça? C'est ça. Oui. Mais est-ce que c'est intéressant à regarder? En fait, le truc, c'est que tu vois, tu pourrais poser la même question du national ou de la Div2 au foot, tu vois. Ouais, absolument. Il y a toujours des gens pour regarder ce genre de contenu. Il y a toujours des gens qui se passionnent pour des plus petits profils, etc. Il y a toujours des gens qui trouvent un truc. Tu vois, il y aura moins d'audience, c'est une certitude. C'est des contenus qui sont amenés à faire moins d'audience que les contenus au-dessus d'eux, tu vois. Ouais. Mais il y a toujours des gens qui se passionnent pour les trucs, et c'est aussi aux diffuseurs de raconter les bonnes histoires et de communiquer de façon à ce que les gens s'intéressent à ces plus jeunes joueurs, à ces toutes jeunes équipes, etc. Oui. Non, mais de toute façon, c'était même pas une critique, mais c'était juste pour le fait. Non, mais c'est légitime, je pense, de demander ça. Hein. C'est juste que vous pourriez aussi utiliser ce temps pour caster des événements plus gros d'autres jeux, en fait. Alors, c'est pas nous qui castons, on est beaucoup, ça va, on est une armée. D'accord. Et la Division 2, en vrai, c'est même pas nous qui la produisons. Pour le coup, c'est une autre marque blanche, c'est ZQSD, qui est une boîte de prod, qui l'a produit pour Riot, et il y avait besoin d'un endroit pour le diffuser, et il y avait de la place chez nous, et du coup, c'est eux qui font la prod depuis Lyon même, et ce sera juste diffusé chez nous. Nous, d'accord, on offre l'emplacement. Donc autant dire que justement, ça nous fait quelque chose qui va venir sur notre chaîne, sans demander le moindre travail de notre part, et justement, on va pouvoir faire autre chose. Ah bah là, d'accord, c'est le jackpot, bravo. Moi, je me suis dit que cette émission, ça a vachement clarifié ce que je pensais sur League of Legends, que je ne suis pas, hein, malheureusement, pour plein de raisons. Et je me rends compte, qu'est-ce que c'est compliqué. Oui. Et en plus, je vais faire juste une petite remarque. S'il y a une raison pour laquelle je ne m'intéresse pas à l'e-sport, c'est parce que je trouve que ça manque d'e-sportifs qui sont inspirants, qui sont charismatiques et qu'on a envie de regarder. Moi, en fait, je me rends compte que ce qui m'intéresse dans l'e-sport, c'est pas les sportifs, c'est les casters. Et je trouve que c'est eux les vraies vedettes de l'e-sport. Je prends mon exemple sur Rocket League. Sur Rocket League, je regarde pas les sportifs, je m'en fous, je connais pas les noms. Mais je connais 2-3 casters, par exemple des gens comme Rasmeltor, qui ont des personnalités qui sont en fait les vraies vedettes du truc. Et là, si vous me dites qu'il faut rajouter encore plus que ce que veut faire Riot sur League of Legends, c'est renouveler les talents, etc.
Il faut pas renouveler les talents sportifs. Au contraire, il faudrait que les sportifs de haut niveau dans l'e-sport, ils restent plus longtemps à leur statut. Parce que actuellement, c'est des mômes. Vous avez des mômes qui ont 16 ans, qui deviennent des stars sur un jeu. Alors, je suppose que c'est ça sur Rocket League, ça doit aussi être ça sur Rocket League, sur League of Legends. Donc, des mômes de 16 ans qui deviennent des stars avec un parcours météoritique en l'espace de 6 mois, ils restent au top niveau à peu près un an, et puis après, il y a les études, tout ça, et donc ils disparaissent complètement. Et on n'a pas le temps de s'attacher en fait à des grands sportifs comme on peut s'attacher dans le foot. Vous avez dans le foot, Fabien Barthez, ça fait 15 ans qu'il arrête des buts. Bon, ben voilà, on a le temps de s'attacher. Ça fait 15 ans qu'il en arrête plus. Mais... oui, non, mais bon, c'est l'ancienne génération, on va dire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Olivier Giroud, voilà, Olivier Giroud, ça fait des il années. Il a arrêté pas mal de buts aussi. Même moi, je le connais. Et dans l'e-sport, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas ça. Et du coup, les encres. Les gens à qui on s'attache, ben ce sont uniquement les questions. On commence à l'avoir un petit peu. Il faut laisser un peu de temps. Alors, il y a une grande partie de vrai. Hein. Genre, je suis d'accord sur une très bonne partie. Après, on commence à avoir un switch. C'est-à-dire qu'on est à la 10e année de l'existence de, on va dire, de la compétition sur League of Legends. Et on commence de plus en plus à avoir des joueurs qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, qui ont gagné 3 fois champion du monde, quand on peut penser à certains joueurs coréens, 6 fois champion d'Europe, etc. Donc on commence à avoir effectivement un petit peu cette scène qui se stabilise, parce que aussi, on avait un turnover et un burn-out qui était assez énorme, parce que les saisons sont vraiment extrêmement condensées, et donc on avait des joueurs qui au bout de 3 ans étaient lessivés, ils étaient passés à l'essoreuse et ont passé à la suite. Et avec la professionnalisation, l'encadrement, les roulements, les remplaçants, le rythme, même le repos, les vacances, tout ça est beaucoup plus optimisé. Et tout de même, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un rallongement assez conséquent des carrières. Alors on sait pas jusque quand, parce que effectivement, si ça se trouve, je m'égare et en fait c'est juste une passade. J'ai quand même l'impression qu'on commence à pas avoir effectivement une sorte de turnover tous les 2 ans, où tous les 2 ans on dégage tout le monde et on reprend les suivants. Mais si je peux rebondir aussi sur ce que disait Agbou, effectivement moi je me suis intéressé à Dota 2 encore plus dernièrement quand il y a eu l'épopée d'OG, parce que c'était vraiment une histoire et je me suis intéressé à l'équipe, aux gens, aux athlètes justement, et puis je m'intéressais aussi un petit peu à StarCraft 2 à l'époque où c'était Stefano, parce que tout de suite, en fait il y avait un récit, il y avait une histoire à raconter, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose que l'e-sport a encore pour l'instant un peu plus de mal à faire que le sport traditionnel, c'est-à-dire à te vendre des histoires même avant que t'aies bien compris le jeu, quoi. Et ça, c'est, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile, justement parce que généralement les règles sont déjà très très complexes dans l'e-sport, contrairement au sport traditionnel. Du coup, ça devient assez difficile d'accrocher les gens en leur expliquant... C'est un problème d'incarnation, plus que de règles, en fait. C'est ça, d'incarnation, exactement. Ouais, mais... Est-ce que vous seriez d'accord pour dire quand même que dans l'e-sport, et il y a quelqu'un qui le signalait sur le chat il y a 20 secondes, il y a peut-être un problème de manque de charisme de la part des e-sportifs. Mais ça, c'est pas les mecs les plus sociables. Hein. C'est social, c'est sûr. Hein. Après, non, il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation. C'est-à-dire que le souci, tu vois, c'est que dans le sport, tu passes pas de ton jardin à la Ligue des Champions. Alors que concrètement, dans l'e-sport, si t'es assez fort, tu passes de ta chambre à la salle du LEC et peut-être la même année au championnat du monde, tu vois. Et parfois t'as aucune chambre de décompression, et aussi les équipes, du coup, elles ont à gérer parfois des gars qui ont 17 ans, 16 ans, qui sont hyper doués, mais qui du coup sont des enfants, tu vois. C'est des enfants, ils sortent de leur chambre et d'un coup sur leur compte en banque il y a 300 000 balles qui tombent pour l'année. Ils se mettent à être hyper connus, à attirer l'attention de plein de gens, à être flattés par les commentateurs et tout, qui reconnaissent le talent. Et en fait t'as pas d'étape intermédiaire, tu vois, alors que dans le sport, si des centres de formation, tu vois, t'es pris tout jeune ado, et ça s'étale sur des années. Et pareil, ça manque de formation médiatique dans l'e-sport. Les mecs, c'est un choc thermique, tu vois, ils passent de rien à tout d'un coup, sans formation. Et je pense que c'est aussi ce manque d'étapes intermédiaires qui fait que tu fais ce genre de constat. Mais je suis assez d'accord, hein. C'est vrai, ça prend du temps. Pour le coup, moi, je serais pas si d'accord que ça, parce que déjà, dans le sport traditionnel, faut pas exagérer, c'est assez rare, hein, les monstres de charisme aussi, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup.
Et Ouais, mais déjà, il y a souvent une dimension, dans le sport normal, il y a souvent une dimension physique qui rajoute au oui, carré. bah, Je vais être un peu dur, mais tu vois, les athlètes, c'est quand même en général, par exemple, des gens qui sont très beaux. Tu regardes les footballeurs, il y a plein de footballeurs qui sont extrêmement beaux parce que bah, ils ont le visage carré, ils mais sont voilà. athlétiques, ils sont Oui. musclés, tu les Non, vois, mais ils ont une alors, présence physique. Il y a moins ça dans le sport. des Bien sûr. au-delà des fantasmes Voilà. d'Agbou Non, mais dans c'est la même chose. dans la réalité véritable, franchement, enfin, moi je suis plus d'accord avec ce que disait Yvan, c'est-à-dire que c'est un problème Évidemment. d'incarnation, parce que une fois que tu as commencé à t'attacher à certains joueurs, moi je peux te citer au moins 4 joueurs de Dota 2, Stefano sur StarCraft, des gens en fait que j'ai fini par trouver très très charismatiques, et même plus charismatiques que des sportifs traditionnels, parce que justement ils sont peut-être moins formatés, ils n'ont pas été dans une école où on leur a appris qu'aux journalistes il fallait absolument dire ci, ça, comme ça, etc. Donc non, pour moi c'est vraiment, comme le disait Yvan, un problème d'incarnation et surtout un problème de capacité des casteurs à retranscrire, à vendre une histoire aux spectateurs, à ceux qui connaissent pas. À leur dire, restez là, parce que vous allez voir, machin, il vient de telle équipe, il a gravi tels échelons, et vous allez voir, c'est une histoire, c'est Rocky Balboa, quoi. Et ça, quand je tombe dessus, je suis émerveillé et je reste dessus, mais c'est vrai que, voilà, moi, mon expérience le plus souvent avec l'e-sport, c'est de regarder des compétitions et de pas savoir qui joue contre qui, en fait. Et ça, c'est Ah ouais, hyper frustrant. je suis de l'avis complètement différent. Je trouve qu'au contraire, l'e-sport est porté à bout de bras par les casteurs, qui sont les seuls qui donnent de l'intérêt Ah à bah ces après, il donne de retransmissions l'intérêt, c'est sûr. qui parfois en manquent un peu, parce que les acteurs, eh ben, on les voit pour te pas à donner, l'écran, on les voit pas pour te, souffrir, on les voit pas se pour blesser, te on les donner voit un pas. Voilà, autre, ils bougent leurs pour doigts, te quoi. donner un autre exemple plus simple, moi quelque chose que je regrette dans l'e-sport, c'est qu'il n'y a pas de sorte de championnat du monde ou de coupe d'Europe où ce serait D'Olympiade. des équipes nationales. Oui. Parce que. Ou d'équipe On a eu locale. sur Ou certains jeux d'équipe comme locale. Overwatch, par exemple. Ouais, mais si j'ai bien compris, déjà les équipes nationales, en fait, c'était pas du tout des joueurs nationaux. Enfin, ça avait de national juste le nom, quoi. Bah, Mais. quand même, l'équipe de France était constituée de Français, tu Ah, vois. d'accord. Bon, bah, Enfin, excuse-moi. si, quand même, à ce niveau, si. Après, ce qui est dommage avec la Coupe du Monde de Overwatch, parce que c'était un super truc qui a super bien marché, hein. Moi, je Bah. trouvais ça assez, Ah, ouais, moi, je trouve assez, ça assez super, ouais. excitant. Ouais. Et au passage, c'est un truc qu'on demande sur League of Legends, et on connaît bien les gens de chez Riot. Et bon, à chaque fois qu'on se retrouve avec eux en physique, on leur dit, au fait, quand est-ce qu'on a une Coupe du Monde là, ou une Coupe d'Europe, un truc comme Ouais. Bah ça? ouais, Et parce ça que marchait super bien sur Overwatch, hein. c'est Et beaucoup franchement, plus mais Blizzard ont un peu tué le facile truc. quand t'es néophyte, c'est beaucoup plus facile de s'attacher à l'équipe de ton pays, de ta région, de ton truc. Exactement. C'est beaucoup plus simple, Il y quoi. a deux problèmes pour ça. Par exemple, typiquement, si je prends uniquement le cas de League of Legends, je vais pas parler pour les autres jeux. Le premier, c'est qu'on a un éditeur américain. Ou chinois, si on va du côté de Tencent. L'Europe, en vrai, faire comprendre aux Américains c'est quoi l'Europe, avec la fragmentation des lignes, des nationalités, déjà, c'est un concept, franchement, c'est pas évident. C'est-à-dire leur dire, nous, on aimerait faire une Coupe d'Europe par nationalité, déjà, le mec, il comprend pas trop le principe. Et après, aussi, le deuxième problème, c'est que les joueurs sont déjà quand même pas mal cramés. En fait, le truc. Donc, il faudrait alléger le calendrier actuel, peut-être le remanier, parce que pour l'instant, il n'est pas forcément logique. Hein. On a des matchs pendant les grandes vacances, et après, on reprend pendant des périodes mortes, enfin, etc. Donc, il y a des trucs à clarifier. Et donc, il y aurait un planning à ajuster pour éviter le burn-out des joueurs. Mais après, nous, c'est notre plus grand souhait, hein, avoir une coupe où, effectivement, il y a un sélectionneur qui vient sélectionner Ah et ouais. chercher les meilleurs joueurs de chaque pays pour les emmener. D'expérience, à la fin, c'est la Corée qui gagne. Mais si on fait que l'Europe, c'est cool. Ok, bon, on a un peu dérivé sur l'e-sport en général et l'avenir, les perspectives, qui est un sujet que je voudrais qu'on aborde ensuite. Pour finir sur votre projet perso, votre initiative, donc ce qu'on comprend quand même, c'est que avec One Trick Production, vous allez faire à peu près la même chose qu'au gaming. Boîte de prod, vous déjà, plus d'autres gens qui vous ont suivi. Si j'ai bien compris les annonces de cet après-midi, vous récupérez les licences de diffusion qui l'année dernière étaient chez O Gaming. Oui. C'est ça? Oui.
Pas toutes, mais oui, un certain nombre. Un certain nombre. Donc, même activité, une partie des gens qui s'en vont, Riot qui vous suit. Vous n'avez pas peur d'être embêté juridiquement pour Oh, il veut du sang. Pour concurrence déloyale. Non, mais c'est vrai que... Le vautour, la hyène. En droit français, le problème se pose, non? Tout à fait. Mmh. Ok. Tout à fait. Allez. Et avec ça, je dirais que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont, sont et seront dites, et que le linge sale, ça se lave en famille. Ouais. Non, mais effectivement, tu vois, il y a ce genre de choses. Après, il y a des situations aussi. Tu peux arriver à des situations où finalement, t'es juste en concurrence et voilà. Et on est en concurrence. Et voilà. D'accord. Et l'autre question que ça pose et qui m'intéresse beaucoup, c'est ça se passe comment ces histoires de droits de diffusion ? Parce que, alors là, en gros, vous partez, vous récupérez les droits, alors que, bon, certes, vous êtes très connu comme caster, mais la boîte, elle n'existe pas. Vous avez, à ma connaissance, ou alors peut-être vous allez nous révéler des trucs, vous n'avez pas d'énormes financements derrière. Non. Donc, ça se négocie comment, alors, les droits de League of Legends ? La LFL, c'est assez simple, il y a un appel d'offres. Auxquels plusieurs entités ont répondu, que nous avons gagné, du coup, tout simplement. L'appel d'offres qui a été lancé, parce que la LFL est gérée par Webedia, et non pas par Riot. Oh putain, c'est le bordel, votre truc, sans déconner. C'est bien. Webedia, c'est eux qui, à totalité à leurs frais, détiennent la licence de la Ligue française. Ils co-détiennent avec Riot. Voilà, c'est ça. Ouais. Et doivent, eux, donc, sortir les sous de leur poche pour l'organiser, mais par contre, c'est eux aussi qui sont en charge de la commercialisation. Ça a l'avantage pour Webedia de pouvoir commercialiser ce produit, ça a l'avantage pour Riot de ne pas débourser un centime, et ça a l'avantage pour nous de se faire payer pour la commenter. Mmh. Donc, tout le monde est content. Donc la LFL, on va dire que c'est un petit peu un sujet qui est à part. Et après, concernant donc les autres compétitions, eh bien, ça a été à nous d'aller voir Riot avec un projet. Avec des maquettes de nos plateaux, avec l'équipe qui allait travailler, comment on allait adresser ce contenu, et tout simplement de leur présenter ce qu'on avait prévu, nous, de notre côté, pour leur jeu, ce qui les a séduits, et qui leur a dit de nous faire confiance. On leur a amené des garanties, on leur a parlé de nos partenaires, parce que forcément, oui, on n'a pas de fonds, on a quand même des fonds. On a tout de même des gens qui sont entrés au capital, dont Gozulting, qui a pris des parts et qui nous a permis de nous lancer, d'acquérir. Donc Gozulting, c'est une boîte d'événementiel et de production qui existe déjà. Prod, ouais. Ouais. C'est ouais, ça. Exactement. Créée par des anciens de Webedia. Webedia, c'est des anciens un peu partout. Pendant un moment, il y en a qui étaient chez OGaming, quand on y était. Il y en a chez Webedia, etc. C'est une petite boîte pas si petite. Qui s'est associé avec nous et qui nous a permis aussi de pouvoir commencer, parce qu'effectivement, en 3 mois, en plein Covid, en quittant sa société, devoir trouver effectivement des locaux, récupérer les droits de compétition, trouver de l'argent, signer le bail, faire les travaux, commander le matériel, il y avait un problème, c'est que t'as un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que t'as pas d'argent, donc t'as pas de locaux. T'as pas de locaux, donc tu peux pas aller voir Riot pour leur dire « Eh bien, donnez-nous les droits !» Mais ils vont dire « Ils sont où tes plateaux ?» Et du coup, t'as pas les droits, donc personne veut te donner de l'argent. Parce que pourquoi je te donnerais de l'argent si tu me dis que t'as pas les droits de League of Legends ? Donc, en fait, dans cette situation, il y a bien un moment où il faut que ça commence quelque part. Ça a commencé avec Gozulting, qui a dit « Écoutez, nous, on peut vous amener déjà au moins le moyen de commencer vite. » Donc, une fois que t'as ça, après, tu peux aller voir Riot, tu dis « Ah, regardez, on a des locaux, on a de l'argent, on a des plateaux, et on a de la connaissance, etc. etc. » Donc, ça s'est monté plus ou moins comme ça. Et après, forcément, ça fait 10 ans qu'on travaille pour Riot, qu'on a toujours été fidèles au poste, et je pense qu'on a été très rigoureux. Ça, je pense, forcément, joue en notre faveur. D'accord. Moi, ça m'inquiète un peu pour vous, parce que ça veut dire quand même que, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais d'ici 2 ou 3 ans, les top managers chez Riot, ils ont changé parce qu'ils sont américains et qu'ils changent de carrière, ils sont passés chez Electronic Arts. Ils refont un appel d'offres pour les droits, et puis ça peut être n'importe quelle autre boîte qui les récupère. Ça va être à nous d'être bons. Ouais, non, mais c'est sûr, tu vois. Mais honnêtement, on est déjà passé au travers un peu de ce genre de situation et on a survécu et on a gagné. Donc ça nous fait pas forcément peur, tu vois. Puis honnêtement, le truc, c'est que notre historique parle pour nous. Enfin, je veux dire,
Si on n'avait pas tout ce qu'on a derrière nous, si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait, Riot nous aurait pas fait confiance et nous aurait pas donné autant de droits, tu vois. Enfin, et on va dire que à nous est adossée une très très grosse légitimité dans ce truc-là, et c'est ce qui a fortement joué en notre faveur. Puis bon, on connaît un peu les gens de Riot maintenant aussi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Mafia et compagnie. Bah, ouais. Pour rappeler un petit peu, parce que là, pendant les quelques dernières années, OGaming était le seul détenteur des droits de diffusion sur la compétition de League of Legends. Avant ça, c'était la jungle, c'est-à-dire qu'avant ça, la règle, c'était les droits sont ouverts à tout le monde. Débrouillez-vous. Et donc il y avait OGaming, il y avait Eclipsia, il y avait Millennium, il y avait 3TV qui se tapaient dessus en permanence. Les managers et les responsables chez Riot, ils changeaient, c'était des fusibles qui changeaient tous les ans. Donc tu sortais des championnats du monde, genre par exemple à Bercy, et là t'avais un nouveau Head of Europe et il disait mais vous êtes qui ? Et là tu dis mais enfin on était ensemble il y a 5 jours à Bercy, enfin il y a un problème. Et quand bien même avec ça, ça nous a pas empêché de gagner tous les appels d'offres sur League of Legends depuis 10 ans. Donc oui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Après, maintenant, je dis qu'on a les capacités de continuer. Ok. Et j'ai une autre question avant de passer à la suite. Quand vous avez commencé il y a 9 ou 10 ans, tout était à construire. La scène n'existait pas. Aujourd'hui, on voit bien que les formats de retransmission se sont installés, se sont stabilisés. Ils reprennent souvent les codes des sports classiques et de la télé. Les éditeurs, comme tu l'as expliqué, ont repris la main sur les ressources, sur les droits. Du coup, est-ce qu'on peut encore innover dans le domaine des médias autour de l'e-sport ? Est-ce que vous êtes parti dans l'idée qu'il y a des formats nouveaux à inventer, ou bien est-ce que c'est fixé, quoi ? C'est sédimenté ? Je pense qu'il y a énormément d'outils qui n'ont jamais été exploités. Ne serait-ce que tout ce qui est... Est-ce que Twitch, c'est l'outil final ? C'est la première question. C'est-à-dire que, est-ce que Twitch est l'outil final du streaming, ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes ? Il y en a qui ont essayé, il y en a qui essaieront, et il y en a qui sont des concurrents. Mais il y a tellement d'add-ons qui sont rajoutables sur Twitch pour améliorer l'expérience du spectateur, rendre quelque chose de plus interactif qu'on peut faire avec un ordinateur et qu'on ne peut pas faire avec une télé, et avec l'avancement des technologies du streaming, que je pense qu'on n'est pas du tout arrivé au bout de ce qui pouvait se faire sur Internet. Je pense qu'il y a encore énormément de marge, mais ne serait-ce qu'avec des applications de téléphone de suivi et encore parce que les éditeurs sont très frileux, mais le betting en est qu'à son assez balbutiement dans l'e-sport. Je pense que ça arrivera forcément un jour ou l'autre, donc je pense qu'il y a le encore betting, énormément tu veux dire les paris sportifs, les paris sportifs, ça commence mais c'est pas encore très officiel. Je pense qu'il y a énormément, je dis pas forcément que c'est des bonnes évolutions, mais je pense qu'il y a encore énormément d'évolutions. Ça dépend de quel point de vue. Ça crée de l'engagement, tu vois. Après, ça dépend toujours. T'as toujours un revers à la médaille et tu peux avoir des développements plus néfastes, on va dire. Mais bon, le betting, ça crée quand même beaucoup d'engagement, quoi. Ça, c'est vrai. C'est un jeu dans le jeu, quoi. Ouais, complètement. Moi, j'ai une question, parce que je suis curieux de savoir en fait les sommes que vous brassez dans l'e-sport. Des millions. Si c'est des millions, des milliards, des centaines de milliards. J'en ai absolument aucune idée. Donc, je ne vais pas vous poser la question directement. C'est quoi votre budget et que vous avez combien sur votre compte en banque ? Mais imaginons, vous voulez vous lancer sur Rocket League, par exemple, et puis moi, je viens postuler en disant, moi, je veux être un caster chez vous, je peux être un caster chez vous à Rocket League. À combien est-ce que vous prenez un mais caster des débutants ? Mais t'as aucune vergogne ? Tu cherches... Laisse-le, il va peut-être partir. On fonctionne au taux horaire. Yvan me paye 600 euros par mois. Est-ce que vous êtes prêt à vous aligner là-dessus ? Non, mais il y a plusieurs profils. Si on vous donne de l'argent, est-ce que vous le prenez ? Il y a plusieurs profils. Ah, si on me donne de l'argent, on peut faire une exception. Ah, je veux dire, est-ce que vous prenez les gens ? Est-ce qu'un caster, ça touche un SMIC ? Ou est-ce qu'un caster, ça touche 5000 euros par mois ? Ça dépend du caster. Et ça dépend ce que tu commentes. Ça dépend si tu le commentes en anglais pour une audience internationale ou pour une audience nationale. En français, nous... Un ordre d'idée comme ça, juste pour que les gens sachent. Par exemple, quand on a commencé chez OGaming il y a un moment, le taux horaire qu'on donnait, c'était quoi ? C'était 12 euros, Charles ?
Alors, je vais même pas donner le taux horaire insultant dans les toutes premières années de gaming. Bah si, justement, si, c'est le but pour voir la progression. Je crois que le tout premier taux horaire, il était à 6 euros de l'heure. Hein. Genre, 6 il y a 10 ans, hein, en 2011, hein, 2010, ouais, 2011. C'était vraiment pas beaucoup, ouais, hein, c'est une misère. Changé, ouais, ça a changé. Ouais. Donc, non, on est beaucoup plus haut. En fait, il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs profils. Il y a le profil du commentateur pigiste qui va arriver, qui va peut-être commenter 6 heures dans la semaine sur la chaîne et qui va avoir un taux horaire. Le taux horaire qui va être, je vais dire, entre 15 et 25 euros en fonction du caster, en fonction du contenu. Donc, net. Oui. Alors, j'ai dit oui bien vite. Hein, ouais. À vérifier. Voilà, on va pondérer ce que j'ai parce que je suis clairement pas monsieur chiffre. Va y avoir des commentateurs qui vont être au forfait. Généralement, ouais, les commentateurs au forfait. Ça pue l'embrouille quand même. On va dire, écoute, tu viens 4 fois par mois. Et on regarde pas le taux horaire, et par exemple, 4 fois par mois, ça va être 2000 euros net, par exemple. Et t'as tant de créneaux, et t'es obligé de les faire, etc. Après, on a eu des casters en CDI, mais je dois dire que c'est très très dur le caster en CDI, parce que le caster en CDI, s'il sait que caster, eh bien, t'as de la compétition, on va dire, 7 mois par an, t'as 5 mois où tu sais pas quoi en foutre de ton caster. Donc le CDI, je dois dire qu'il est assez compliqué. Donc, en fait, un caster qui vient 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ça se trouve, à la fin du mois, il aura gagné 500 euros. Un caster qui fait beaucoup de volume, par exemple, je peux penser à un Gardoum. Gardoum, c'est un commentateur chez nous, il est partout. Le mec dort pas, le mec mange pas, il est partout. Gardoum, sur certains mois, je pense qu'il y a des jolis billets qui à la fin, il gagne au moins 1200 euros. Hein. Voilà, c'est ça. Plus. Mais ouais, non, mais disons que, enfin, il faut voir un truc aussi. À la base, nous, quand on s'est lancé dans tout ça, on n'avait pas un rond, et il a fallu essayer de créer un business un peu pérenne, de rajouter des briques petit à petit. Donc, un de nos objectifs aussi à nous, c'est d'essayer de faire progresser la situation des gens et de mieux les payer avec le temps, que ce soit eux ou nous. Voilà, je dirais que dans cette quête-là, on n'est pas arrivé au bout pour l'instant, mais on a une vraie volonté d'améliorer la situation des gens parce que c'est légitime. Je veux dire, si le marché grossit et si les gens s'améliorent et qu'on gagne plus, faut aussi que ça retombe un peu dans leur poche. Donc voilà, on a quand même, je dirais qu'on a un point de vue qui est, on essaie d'être le plus équitable possible à ce niveau, quoi. On a souvent cette réflexion, on se dit, ce serait bien quand même d'augmenter les piges. Là, on est arrivé à un moment quand même où ça fait longtemps qu'on est à ce niveau-là. On a gagné plus. Ce serait bien de rehausser quand même. Et on est dans cette dynamique-là, nous. Ok. Puisqu'on parle du marché, justement, est-ce que, si on essaie de faire un petit paysage là, sur l'e-sport, est-ce que l'année 2020 avec la pandémie et machin, vous diriez que l'e-sport a été plutôt affaibli parce que les événements physiques, par exemple, étaient difficiles ou renforcé parce que les gens étaient chez eux et qui demandaient du divertissement, etc. Alors, je conseillerais un contenu qui a été produit par Webedia, qui a été diffusé sur RMC Découverte, qui doit être en replay gratuitement, qui est un docu avec beaucoup de têtes de l'e-sport qui parle pendant justement de cette année Covid. Ça, c'est pour ceux qui veulent approfondir, hein, au cas où. En règle générale, alors déjà, il y a une grosse montée de l'audience. En règle générale, dans l'e-sport, c'est entre 30 et 70% en fonction des langues et en fonction des jeux. Mais par exemple, nous, on est plus proche du 70% que du 30%. Donc déjà, en termes d'audience, c'était nickel. Après, par exemple, il y a tout l'événementiel qui a pris un coup de shotgun dans la tronche, donc qui est une grosse perte aussi pour beaucoup d'acteurs. Alors nous, étant aussi une boîte de prod, forcément, on va dire ce que tu vas essayer de gagner d'un côté, tu le perds un peu de l'autre. Je dirais qu'à la fin, on est quand même sur un certain équilibre et sur une année qui est, ma foi, pas mauvaise du tout. Et je pense que par rapport à 99% des professions dans le monde, on n'a clairement pas la raison de se plaindre. Après, je dirais que le grand bond, c'est pas au niveau des revenus, au niveau et à ce niveau-là. Je dirais c'est au niveau de l'entrée du streaming et de la généralisation, la popularisation du streaming. Vu que tous les sports étaient cuits, eh bien, on s'est retrouvé à avoir des tonnes de brochettes de sportifs qui venaient utiliser du streaming, ou beaucoup de diffuseurs qui venaient utiliser eh bien, tout ce que nous, on utilise tous les jours, VMix, Discord, Mumble, etc., pour bah, tout simplement pouvoir diffuser des choses. Et de ce côté-là, je pense que, et c'est pas forcément l'e-sport, mais le streaming, l'e-sport étant une niche du streaming, le streaming, je pense, a beaucoup gagné de l'année Covid. D'accord. Et alors, comment vous voyez 2021, du coup ?
Bah écoute, de façon, enfin pour nous, les audiences augmentent chaque année, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le cas une nouvelle fois. Après, c'est un peu notre boulot aussi d'inciter les gens à venir voir le contenu et de leur donner de bonnes raisons, tu vois. Et on a plein de bonnes idées, on a plein de trucs dans les cartons, donc voilà, moi je dirais qu'on est assez optimiste. C'est quand même un peu chiant de pas avoir, enfin. Qu'il y a un vrai doute sur les événements physiques, et même de se dire qu'il n'y en aura sans doute pas. Mais en vrai, quelle gueule j'aurais si je te disais quelle misère. Enfin, il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que nous dans cette situation. Donc voilà, enfin, je veux dire, on peut continuer à vivre, à faire ce qu'on aime et à développer notre métier. Donc voilà, c'est une contrainte, c'est chiant, mais ça finira bien par se résoudre à un moment. J'espère. Mais vous avez quand même bien profité de la crise. Bah, encore une fois, il y a eu des avantages nous aussi, et. Hein. Vraiment, c'est gavé. Vous êtes gavé. Ça donnait quoi pour la presse papier? J'ai oh, ça n'avait pas. L'impression que c'était un peu plus dur pour la presse papier. Ouais, ouais non, c'est la merde. Non, clairement. Et du coup, on parle e-sport comme si c'était un truc sur lequel on pouvait mettre des tendance générale, mais est-ce que c'est pertinent ou est-ce que l'e-sport c'est encore des tribus très variées qui dépendent des jeux, la scène ou l'écosystème Call of Duty qui a pas les mêmes impératifs ou problèmes que l'écosystème League of Legends, etc. Est-ce qu'on peut un peu généraliser ou est-ce que Alors, finalement c'est une connerie? Il y en a qui sont plus impactés. Par exemple, Overwatch, ça les a mis à l'arrêt. Overwatch, qui vraiment avait un système qui était basé sur les villes, sur des événements qui se déplacent, etc., je pense qu'ils s'en fait flinguer. Il y a des scènes, à mon avis, qui ont eu beaucoup de mal, qui avaient besoin. Par exemple, le versus fighting, tout ce qui est les jeux de combat, généralement les modes online sont extrêmement mauvais. Et c'est beaucoup de choses qui. C'est une scène très communautaire qui se regroupe beaucoup, même si c'est pas forcément des événements de grosse envergure. Je pense que ça aussi, ils ont pris un coup dans la tronche. Après, la compétition, ça lui a pas fait du bien en général. Personne n'a aimé, je pense, dans les éditeurs en tout cas. Dans les éditeurs, personne n'a aimé ce qui s'est passé. Ouais. Du côté du gaming streaming, je pense que les streamers, par contre, c'était la teuf. Hein. C'est... Ah bah oui. Voilà. Mmh. Agbou, il s'est gavé là. C'est mis triple. Grande découverte. Quels sont, d'après vous, les nouveaux jeux qui ont un vrai potentiel e-sport? Bon, on a cité Valorant, ce qui est d'ailleurs un paradoxe parce qu'à Canard PC, personne n'accroche sur ce truc-là et visiblement, tout le monde estime qu'il y a un gros potentiel. Mais est-ce que vous en voyez d'autres? On parlait de Rocket League tout à l'heure, c'est pas un nouveau jeu, mais je pense qu'avec effectivement le côté free-to-play, on va dire qu'on atteint peut-être la masse critique pour ce jeu-là, pour avoir une scène très très pérenne et qui grossit d'année en année. Oui, parce qu'on rappelle que Rocket League était un jeu payant et qu'il est passé Ouais. en free-to-play. Ouais. D'autres jeux. Écoute, c'est pas évident là. Là, honnêtement, Dans les sorties là, je vois pas trop. Je vois pas trop non plus, c'est. Il y a aucun gros MOBA qui est annoncé dans les prochaines Mais est-ce que c'est années. encore l'époque du MOBA? Est-ce que finalement Si, le si, si, prochain. si, 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 Wild Rift. Ah. Ah ben d'ailleurs, c'était une question de mon fils, ça. Il voulait absolument que je vous pose la question. Comment c'est League of Legends sur tablette et est-ce que ça a un avenir? C'est assez bien foutu, c'est un jeu mobile donc ça va marcher, je pense. Déjà, ça va marcher. Si ça marche en Asie et ça va marcher en Asie, le jeu aura marché. Après, je dirais que si ça marche dans le reste du monde, alors, je vais pas dire que Riot s'en fout, mais à mon avis, il faut que ça marche en Asie. Non, mais le jeu est sympa. Le jeu est sympa. Après, moi, je suis vraiment pas très jeu mobile. Moi, le jeu mobile, c'est quand je suis dans le train et encore, je préfère mettre les réseaux sociaux à feu et à sang, ça m'occupe un peu plus. Ouais, mais moi je pense que enfin le jeu est vraiment bien foutu et une des ambitions de Riot hein, c'est ouais, il y a par exemple des marchés dans le monde où le jeu PC prend pas trop type l'Inde. Par contre, le jeu mobile, c'est autre chose et l'Inde c'est un endroit en friche un peu au niveau de l'e-sport donc est-ce qu'il va pas y avoir une scène très active sur Wild Rift en Inde par exemple? Moi, je pense que c'est un des paris de Riot. D'accord. Voilà, donc il faut voir jusqu'où ça va. Hein, mais enfin, je pense que en termes de jeux mobiles, il y a la place. En termes de jeux PC, jeux console, etc., là, je vois pas un nouvel arrivant. Bon, on va pas parler des nouvelles éditions de Call of Duty et trucs comme ça, où de toute façon, ils essaient toujours d'installer de l'e-sport. Mais
en nouveau concept. Enfin, je pense que le jeu mobile, il y a de la place pour un peu d'e-sport, ouais. Et un truc genre Legends of Runeterra, justement, chez Riot, vous croyez au potentiel ? Pour l'instant, c'est tout mou, mais... Ah... Non, c'est de la merde. Personne n'y croit, Ivan, on essaie de te le dire. Je pense qu'il y a eu des gros, il y a eu des jeux qui ont un peu lassé ou un peu saigné peut-être les spectateurs. Runeterra arrive peut-être un peu après la guerre Hearthstone, qui tout de même a pas mal poncé le TCG. C'est dur de venir après un MOBA quand tu débarques après LOL et Dota. On a vu ce qui s'est passé pour Heroes of the Storm. Les FPS, bah déjà c'était compliqué. En plus maintenant il y a Valorant. Donc il y a quand même une grosse guerre. Moi je pars du principe que le prochain futur hit e-sport est pas encore sorti, et peut-être que c'est un concept qui a pas encore été signé. Parce qu'on a signé les MOBA, on a signé les FPS, on a signé les Battle Royale, on a signé les RTS. Du coup, faut peut-être attendre effectivement un petit renouvellement avec un concept un peu sympa qui débarque. Il y avait un jeu qui me parlait, je crois que c'est un jeu que développait Ubisoft avec des rollers et... Roller Champions. Roller Champions. Ouais, voilà. Et je sais pas, ouais. Je me souviens, j'avais vu les trucs et je me dis, ah, il y a un concept qui peut peut-être fonctionner après. Bon. J'ai du mal à y croire. Ouais, peut-être. Ouais. Hein, non, mais c'est... parce que j'y ai joué et. D'accord. Et en gros, je vois pas ce qu'il pourrait faire de mieux que Rocket League. Ouais, ok. Et il est à peu près sur le même terrain, donc. Il y a Deathloop chez Arkane qui va sortir cette année aussi. Mais ça n'a rien à voir. Bah si, c'est... non, ça n'a rien à voir avec Rocket League, mais... évidemment. Mais voilà, FPS compétitif. Deathloop, mais c'est un c'est truc pas... solo. C'est que solo, ah, Deathloop. Ouais, ouais, ils sont pas à mort compétitifs. Ah non, t'es à côté de la plaque, là. On coupera solo. Bon, une petite anecdote pour savoir si c'est un sujet qui... pour vous, à une réalité ou pourrait en avoir une. On a appris il y a quelques jours que Valve a éradiqué l'équipe chinoise Newbee, qui était le vainqueur du The International en 2014, finaliste en 2017, une grosse équipe chinoise de la scène Dota 2, qui a été bannie de toute compétition et les joueurs en cause également pour avoir arrangé des matchs. Il y a eu ces dernières années d'autres problèmes de triche par des hacks et même des rumeurs un peu persistantes de dopage. Est-ce que ce problème du dopage et de la tricherie, ça peut être un vrai sujet dans le futur, d'après vous ? Un vrai sujet, je suis pas... on n'aura jamais les problèmes du cyclisme, je pense. Après, on en a. On en a un peu partout dans l'e-sport, et parfois on en entend parler. Alors les preuves, elles arrivent pas souvent, mais Adderall et compagnie, effectivement, match fixing, on a vu des trucs en Corée avec des accompagnés de tentatives de suicide après des dénonciations de match fixing et ce genre de choses. Donc ça arrive plus ou moins en fonction des éditeurs. C'était un des gros problèmes de Riot quand on a dû en renvoyer les League of Legends à la maison dans les gaming house, parce que avec le Covid, les joueurs pouvaient plus venir sur place à Berlin. Il fallait qu'il y ait des webcams qui voient absolument tout. Enfin, ils ont dû mettre tout un système d'anti-triche avec des programmes, avec des machins, etc. Donc ça reste des inquiétudes. Je dirais que c'est un peu comme tout, c'est plus ou moins bien contrôlé. C'est-à-dire que, par exemple, League of Legends, Riot a deux ou trois fois le matériel de chaque joueur. Genre deux ou trois fois sa souris, son clavier, etc. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas avec leur matériel, par exemple. Il y a un détecteur de métaux au moment où ils rentrent sur scène. Ce genre de choses. Il y a un arbitre qui est derrière eux. Par exemple, tu arrives avec ta souris, tu charges un programme qui met un IMBot. Ce genre de choses. Ou alors. Ouais, après, sur LOL, franchement. Oui, c'est dur. Mais c'est pour ça que je dis, en fonction de comment est organisée la compétition, il peut y avoir des gros problèmes. Maintenant, c'est comme tout. Hein. Il y a des sports qui contrôlent plus ou moins bien le dopage des participants. Non, je pense que le terrain inexploré dans les MOBA, plus que la triche via des programmes in-game, c'est tout le dopage via Adderall ou ce genre de choses. Donc Adderall, c'est un produit. Ouais, c'est un produit qui est censé augmenter ta concentration. C'est de la méthamphétamine à petite dose. Alors, notre spécialiste a parlé. Ok. Mais ouais, c'est censé augmenter ta concentration et donc augmenter tes performances. Maintenant, je sais pas, genre, il y a jamais eu de preuve, tu vois, sur LoL vraiment que des joueurs en avaient pris. Ça a été beaucoup plus prouvé sur Call of Duty ou sur du CS, il me semble.
Donc voilà, il y a un peu une zone grise à ce niveau où moi j'ai déjà entendu des rumeurs de gens qui disaient ouais et tout, là quand même, suspicion un peu. On a regardé, mais on a, même entre nous, on a regardé des photos, on était six autour de la photo en se disant c'est la lumière ou vraiment il a les yeux dilatés. Non, non, mais vraiment, on s'est posé la question. Et il y avait débat entre nous, c'est-à-dire, on se disait non, c'est pas possible et tout, ça se serait vu, machin. Ouais. Et après, tu compares des photos à différents moments, tu fais non, là, ses yeux, ils sont normaux, donc là, c'est la lumière. Mais oui, on s'est posé la question. Je revois mes parents quand j'étais adolescent, quoi. Ok. Dernier sujet de perspective, est-ce qu'on peut espérer une féminisation de l'e-sport? Déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équipes mixtes? Parce que, bon, de toute évidence, il n'y a pas de problème de musculature. Donc, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est déjà autorisé dans le règlement ou pas? Est-ce que ça pourrait arriver? C'est autorisé. Alors ça, c'est une discussion parce que on a pas mal de potes qui bossent dans des équipes, etc. C'est complexe en fait. C'est complexe comme question parce que tu vois, enfin, jusqu'à peu, on va dire que le modèle de base pour fonctionner dans l'e-sport, c'était tout le monde dans la même maison jour et nuit. Les gaming house. Ouais, voilà, les gaming house. Alors, c'est en train un peu d'évoluer à ce niveau. Hein. Les joueurs habitent de plus en plus dans des apparts et tout qui leur appartiennent. Mais c'est pas encore complètement le cas, loin de là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gaming house. Et bah, il y a des trucs pratiques il y a des problèmes pratiques qui peuvent se retrouver, tu vois. Évidemment. T'as des gens qui sont jeunes, avec 16, 17, 18 ans, 19 ans. Avec les caméras de Riot partout. Il se passe quoi concrètement, hein, concrètement, il se passe quoi si tu mets une fille du même âge dans le truc jour et nuit, comment ça va fonctionner? C'est hyper compliqué, tu vois. Mais est-ce qu'il n'est pas absurde ce modèle de la gaming house d'ailleurs? Ah, moi je pense qu'il est dépassé, ouais. Mais il faut comprendre le contexte, c'est que. Là, on est en train de se stabiliser. Maintenant, on parle dans les grosses ligues des gros jeux, des joueurs qui gagnent. On voit des nombres passer. Il a son contrat à 500 000, à 1 million, à 2 millions, à 3 millions. Il y a 3 managers, 2 coachs, etc. Je dirais qu'à une époque, envoyer un ado de 17 ans qui sort à peine de la maison de chez ses parents et le mettre tout seul dans un appartement à Berlin, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Les jeunes footballeurs, c'est ce qui leur arrive. Hein. Oui, mais voilà. Mais du coup, avec les moyens et l'encadrement et l'accompagnement et la formation qui maintenant devient tout de même bien meilleure, on commence à sortir progressivement du modèle de la gaming house parce qu'on peut, sans regrouper tous ces joueurs aux mêmes endroits pour les tenir en laisse, on a quand même, je dirais, un peu plus de moyens et un peu plus de recul sur comment gérer ces trucs-là. Donc je dirais qu'on va s'éloigner progressivement du modèle. Après, il y a aussi forcément des raisons économiques évidentes par rapport à ça. Mmh. Ok. Est-ce que vous, par exemple, vous allez avoir des casteuses? Dans l'idéal, oui. On en a fait passer en test avec des profils qui sont pour moi très prometteurs. On veut pas forcer la chose. Alors on veut pas remettre quelqu'un qui va se faire détruire à côté par une communauté qui peut être rude, très rude. On est amené à en avoir, je pense, de façon. On en a déjà sûre. Eu, hein. Ouais, ouais. On en a déjà eu un peu. Après, en pure commentateur, commentatrice, si. Commentatrice, oui, c'est bon, ça marche. Pas vraiment. En vrai, pas vraiment. Mmh. On a fait des tests. On a fait des tests par le passé. Donc, c'est une ambition qu'on avait maintenant. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est. Enfin. Et on n'est pas dans une dynamique où pour faire beau sur le CV, on met une femme parce que c'est une femme. Donc on va être dans une situation où on se dit ok, genre il faut qu'elle soit sur le broadcast, elle coche toutes les cases qu'on souhaite qu'elle coche et voilà, on peut partir avec elle. Mais on a eu des tentatives par le passé, hein, pas forcément fructueuses, mais comme dit Noah, bon, il y a du profil qui peut être intéressant. Je dirais qu'en fait, moi, c'était pour rebondir sur la question donc des femmes absentes de l'e-sport. Par exemple, si je dois prendre au niveau des chiffres, je pense que en 10 ans, sur les 300 candidatures qu'on a dû recevoir par mail de différentes façons, je pense que j'ai moins de 3 candidatures de femmes. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça aussi le truc. Mais sur 300, depuis la totalité,
C'est-à-dire que de toutes les candidatures, je peux me souvenir exactement quelles sont les femmes qui m'ont demandé de faire un essai. Tellement il y en a peu. En fait, on a le même problème. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, oui, c'est pas complètement un hasard si on est 5 mecs sur ce plateau. Dans la presse, jeux vidéo aussi, les présences féminines sont assez rares. Et c'est un truc cumulatif. C'est-à-dire que effectivement, t'as peu de candidatures aussi parce que il y a peu de visibilité de femmes. Donc elles se sentent pas forcément autorisées et inspirées. Et c'est pas accueillant. Donc c'est compliqué comme situation. C'est clair. Un petit fun fact que j'ai trouvé, une petite devinette pour terminer cette séquence. Le site eSport Observer compile chaque année un top 10 des e-sportifs ayant cumulé le plus de prix lors des tournois. Est-ce que vous connaissez ce top? Oui, je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui. En 2020, il y a une particularité, évidemment, puisque le grand tournoi Dota 2 The International n'a pas eu lieu. D'ordinaire, c'est 35 à 40 millions de prize money, donc l'équipe gagnante, les 5, se retrouvent dans le top 10 immédiatement. Donc, 2020, c'est un peu particulier. J'ai une devinette pour vous, et pas forcément que pour Chips & Noix. D'ailleurs, on va demander à Agbou et Noël Malware s'ils ont une idée. À quoi joue le joueur qui est le premier de cette liste en 2020? Attention, il y a un piège. Il a gagné le plus de revenus liés à l'e-sport. Ouais, les prize money. Ouais. Les revenus des tournois. Il y a un piège. Hein. Ça doit être... Il y a dû y avoir des vieux événements multigaming un peu chelous avec des cash prizes démesurés. Ouais. Je sens que c'est un piège comme ça. Farming Simulator. c'est un bon piège potentiel, Farming Simulator. Mais ça pourrait pas être un FIFA? Ah oui, FIFA, ouais, pas bête. Ouais. Par élimination. Si c'est un piège, c'est que c'est pas LOL. Ah, pas LOL, pas Dota. Smash Bros. Il y en a qui dit un jeu mobile, c'est Smash Bros. Hein. Smash que pense pas. Que le prize money, hein, pas les salaires des gens, etc. Que les tournois. Smash pense pas parce que la scène compétitive vit pas trop s'il n'y a pas d'événement. Et avec l'année Covid, bon. Ouais. C'est difficile. Non, en fait, c'est super dur et c'est une anomalie amusante de cette année. C'est que le joueur qui a gagné le plus d'argent, en fait, c'est un joueur d'échecs. Parce que figurez-vous que les échecs par Internet ont fait un carton pendant le... Merci Netflix. Voilà. Oui. Et c'est le gars de TSM? Je sais plus, j'ai pas noté son nom. Mais c'est lui qui est en premier dans la liste et il y en a deux des joueurs d'échecs en ligne. Qui sont dans le top 10. Question plus facile, quel est le jeu le plus représenté dans ce top 10? Counter-Strike. Non. Bah, ah ouais. Bah le jeu le plus populaire en ce moment, c'est quoi? C'est LOL. C'est LOL. Bah, ça devrait être LOL. Non. Ouais, mais non, on n'a pas des gros cash prize sur LOL. On a des gros salaires, mais pas des gros cash prize. Ouais, c'était une de mes questions. En fait, il n'y a aucun joueur de LOL dans le top 10 et je voulais vous demander pourquoi. On y revient après. Le jeu le plus représenté, 7. Sur les 10, c'est Call of Duty. Ouais, c'est bien triste. Ah la boule. Voilà. Ok. Cela dit, Warzone est très bien. Le dernier truc, le Battle Royale qu'ils ont fait, là, il est vachement bien. Donc il faut au moins le reconnaître. Et donc, oui, j'étais étonné qu'il n'y ait pas LOL dans la liste. Et en fait, donc tu me dis que c'est parce que les cash prizes sont pas énormes. Oui. Oui, alors ça c'est une discussion qu'on a déjà eue avec nos potes qui sont coachs et. Et on connaît bien tout le background sur les salaires, etc. Bon, on connaît pas tout à ce niveau, mais a une bonne idée. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Ouais, c'est les gens sont bien payés sur LOL. Ouais, les gens sont très bien payés sur LOL. Ils sont trop payés. En fait, certains, c'est sûr, d'autres pas assez. Mais en fait, le truc, c'est que les gens sont bien payés et du coup, il n'y a pas des cash prizes qui sont énormes. C'est un peu la dynamique de League of Legends. Alors, après, moi, je préfère très largement cette façon de faire parce que je n'aime pas que l'on joue une compétition pour l'argent. Mais la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de foot, combien gagne le mec qui a gagné la Coupe du Monde? On en a rien à foutre. Ce qu'on veut savoir, c'est qui. Oui, mais j'en ai rien à foutre personnellement. Oui. Moi, ce que je veux, c'est qu'il gagne la Coupe du Monde. Bah, pour là, je suis content. Oui, mais Dota 2, il gagne donc énormément parce que c'est le plus gros cash prize. Je suis sûr que tous ceux qui sont dans le top 8, ils sont pas là. Enfin, quand ils jouent la finale, ils la jouent pas pour l'argent, quoi.
ils la jouent parce que c'est leur métier, qu'ils adorent ça. Ouais, mais dans passion. La com, c'est ce qui est mis en avant. Et moi, ça m'emmerde. Ouais, c'est un truc très américain, ça. Ouais. Mais souvent, ça a été l'hameçon de plein de compétitions d'e-sport. Oui, bah oui. Hein. Je me souviens, c'était il y a 5-6 ans, à chaque fois qu'on nous annonçait une compétition, on nous disait « Ah, regardez, cette fois-ci, le gagnant, il va repartir avec 5 millions. » Ouais, mais ton jeu, il n'est pas intéressant, il ne m'intéresse pas. Ouais, mais le gagnant, il va partir avec 10 millions. Ouais. Voilà, c'était le truc pour attirer un certain public. L'e-sport s'est construit comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque où c'était les compétitions, c'était la jungle, ton concurrent faisait une compétition à l'époque avec un cash prize de 1000 euros, et bien tu savais que si tu faisais un cash prize de 2000 euros la même semaine, les équipes viendraient chez toi, pas chez lui. Déjà, tu le niquais et ça te coûtait pas si cher que ça. Et c'était une guerre du cash prize. Et ça s'est un peu construit comme ça et ça se déconstruit un peu par la suite. C'est aussi une façon de relancer des jeux morts. Hein. Un jeu qui fait pas d'audience, tu mets un cash prize à 50 000 balles, tu fais jouer qui tu veux. Hein. Les gens, il y a des mercenaires, ils viennent pour l'argent. Bonjour, Shootmania. Hop, un petit coup de pied dans le cadavre au passage. Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur l'e-sport. J'ai noté quelques actualités en vrac qui n'ont rien à voir avec l'e-sport, sur lesquelles je vous propose de réagir. Donc je fais appel à Jules en régie pour nous passer la vidéo qui montrait le moteur 3D de Stalker 2. Qui est sorti il y a quelques jours, et je crois que toi, Agbou, c'est un des jeux que t'attendais vraiment beaucoup. Alors non, tu l'as écrit, mon gars. Non, non. Oui, parce qu'on m'a demandé de faire une page sur un jeu que j'attendais, alors j'ai regardé, j'ai fait « qu'est-ce que j'attends ?» Non mais sérieusement, 2021, là, c'est... ça va être dur, hein. Parce que il y a quand même pas grand chose de vraiment génial qui arrive. Ah, il va y avoir des surprises, tu vois. Mais on y viendra sur les jeux de 2021. Oui, il y aura, j'espère bien. Bah, Stalker 2, que vous dire, que ça va être la suite de Stalker Call of Pripyat. Donc, oui, forcément, c'est quand même un petit peu attendu parce que Call of Pripyat, c'était un des grands FPS de ces 20 dernières années. C'est un FPS à la russe qui reprenait pas du tout les codes des FPS habituels américains. On nous laissait vraiment seul sur une carte avec très peu d'indications. C'était très libertaire comme histoire, comme campagne. Voilà. Il y a quelques développeurs de Call of Pripyat qui bossent sur Stalker 2. Il y en a plein d'autres qui sont partis sur d'autres jeux comme des jeux, tous ces jeux sur Tchernobyl dont j'ai oublié le nom. Là. Enfin, je sais qu'il y en a deux ou trois autres qui vont arriver. Bon, voilà. Je l'attends avec un optimisme prudent. On a vu on voit les images du moteur 3D. Bon, bah, c'est cool, mais maintenant, les moteurs 3D, tout le monde s'en cogne. Voilà. Okay. Je vais pas vous dire non plus que c'est le jeu que j'attends le plus. Pas, cette pas plus année, que ça. Hein. Chips et noix, Stalker, ça vous titille? Pourquoi pas. Ouais, sans plus non plus. Hein. Ouais. C'est pas forcément le genre de jeu que je pratique. Moi, je suis très jeu multi. Ou alors, rétro gaming. Genre, je suis un boomer au niveau d'accord. Des jeux. Voilà, donc moi, je pense pas que ce sera le genre de. Je pense pas que c'est un jeu auquel je jouerai. Ok. Noël, ça te... Non, je m'en fous. Ok. On s'en fout de tout, de toute façon. Bon, j'avais prévu qu'on reviendrait un petit peu sur Cyberpunk, mais le temps file. Il y a tellement de choses à dire que on va se contenter d'un petit résumé, parce que la dernière fois qu'on en parlait, et dans le test qui est dans Canard PC ce mois-ci, qui a évidemment été écrit en décembre, il n'y a pas toutes les infos, mais je pense que maintenant tout le monde est au courant que Sony l'a retiré de son store, que le jeu est sorti dans un état absolument catastrophique, que bon, bah, tout ce truc-là. Ils annoncent bientôt un DLC gratuit. Toi, Noël, qui l'a testé pour Canard PC, est-ce que c'est un jeu où tu te dis bon, bah, je vais attendre qu'il soit bien propre et puis je vais me le refaire? Ah oui, ouais. Oui, mais vraiment, c'est même quelque chose que j'attends beaucoup, quoi. Mais par contre, j'attends pas un DLC. Moi, j'attends à ce qu'ils corrigent déjà tout ce qui manque dans le jeu de base, jeu de base. Et ouais, j'attends plus une version définitive du jeu que de rajouter du contenu. Avant de rajouter du contenu, il y a déjà tellement de choses à réparer. Ouais. Mais par contre, ouais, je sais que même là, je l'ai déjà fait deux fois en entier le jeu. Et quand ils l'auront réparé, je sais que je leur referai une troisième fois. D'accord. Toi, Noa, tu l'as fait aussi, c'est ça? Alors, j'ai regardé, parce qu'on en discutait un peu avant l'émission, donc j'ai une petite 70aine d'heures de jeu. Ouais. Bah, moi, j'ai trouvé que les gens avaient été très très durs avec le jeu, en règle générale. Ça veut dire que t'as pas eu de gros bugs, toi?
J'ai eu des bugs, j'ai eu des trucs, mais en vrai j'ai joué à pire, enfin franchement, alors même si, mais après Baldur's Gate 3 c'était une early access, mais Baldur's Gate 3, enfin c'est, je me suis arraché les cheveux sur des bugs, hein. Pas autant sur, et plus que sur Cyberpunk, non je trouve que le jeu est sympa effectivement, il mériterait d'être fini, et j'attends de voir un peu ce qui vont changer, mais en vrai j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. D'accord. Voilà. Moi j'ai trouvé les gens durs. Chips, tu l'as essayé? Non. Ok, donc. Non, moi je l'ai pas, essayé. T'en as envie? Enfin, ce genre. Ouais. Non, mais. Ah, attends. Tu veux savoir ce que c'est le dernier jeu que j'ai fait dans le genre, entre guillemets. Alors, c'était pas un open world, hein, mais dans la dynamique. C'est Dark Messiah. Attends. Jeu des poussières. Ouais. Dark Messiah of Might and Magic, voilà. Cela datait de 2009. Exactement. Un truc comme exactement. Ça, 2006, on est sur du Ubisoft, ça vieillit bien. Et j'aime trop ce jeu, tu vois. Mais comme je vous dis, je suis un rétro gamer. Donc, mais Chips, il joue à Stronghold. Peut-être dans 20 ans, je jouerai à Cyberpunk. C'est genre Chips à 4h du matin, sur Discord, tu fais quoi? Il fait je joue à Stronghold. Tu fais quoi? Non, ah, comme on est Conquer en ce moment, un peu, mais ouais. D'accord. Voilà, je suis ce genre de joueur. Ok, très bien. Agbu, tu vas le faire? Eh ben, je l'ai acheté il y a 4 jours. Ouais. Parce que, ouais, je l'ai acheté. Bah, t'as mis 8 sur 10 quand même. Donc mais j'ai quand même dit, attendez 2-3 mois, quoi. Ouais, mais j'étais impatient. Et puis, je me suis acheté une nouvelle carte graphique. Ouais. Donc, je voulais... avec le DLSS, c'est magnifique. Beau, hein. Oh là. C'est à se palucher devant à chaque paysage et tout. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Les bugs sont pas si épouvantables que ça. Je pense que les versions review que vous avez eues étaient vraiment dégueulasses et que finalement avec les updates, il y a déjà trois updates. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Après, je suis tout à fait d'accord avec ton test. T'as mis un 8 sur 10, mais moi je pense que c'est un jeu qui vaudra 8 sur 10 à jamais parce que c'est un bon Far Cry urbain. Voilà. C'est un Far Cry urbain, sans beaucoup de trucs en plus. Enfin, mais on va pas refaire le test. On s'engueulera à la rédaction. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la différence, c'est qu'il y a un scénario et une histoire. Ouais, mais c'est bien important dans le jeu vidéo. Bah, enfin, moi, oui. Voilà, mais on va pas refaire le débat. Alors moi, je l'ai acheté, et puis après, j'ai lu le test de Noël, et je me suis dit, je vais attendre avant de le lancer, même pour la première fois. Tu vois, donc je l'ai acheté, je l'ai même pas lancé le truc. Je vais attendre qu'il soit bien propre. Honnêtement, c'est lançable. C'est lançable et les bugs sont pas, c'est pas, ça casse pas le jeu, quoi. Ok. Alors Noël, dans le numéro de ce mois-ci, tu fais une page un peu blague sur Star Citizen. Tu te rappelles en disant que c'est le jeu que tu attends. Enfin, c'est plein de trucs du programme, mais ok. Plus exactement, le mode solo Squadron 42. Ouais. 42. Bah, je suis désolé de t'apprendre qu'il vient d'être poussé à jamais. Oui, mais bon. Il n'y a même plus de date là maintenant, c'est fini. Ouais. Non, mais moi, en fait, si je fais ça, c'est parce que. Tu vois, je me suis dit, on était con quand même de se hyper comme ça pour Cyberpunk, de croire que ça allait être le plus grand jeu de tous les temps. Et puis évidemment, c'est pas ça, alors tout le monde est malheureux, etc. Et puis en fait, je me suis rendu compte que 2 semaines après, j'avais envie de refaire la même chose. J'avais envie de reprendre un jeu et de me dire, ça, je suis sûr, ça va être le meilleur jeu de tous les temps, ce sera le plus grand, le plus beau, il fera tout, etc. Mmh. Et donc j'ai décidé de me réhyper comme un con sur Squadron 42. Et donc j'en suis persuadé, ce sera le plus grand jeu de tous les temps. Et vraiment comme un con. Ouais, il sortira, je pense, à la fin de l'année. J'en d'accord, sûr, de cette année, ça. Ok. Voilà. Avant le 31 décembre. Oui, sûr. Ça marche. Si vous voulez suivre les news Star Citizen, je vous conseille un excellent subreddit qui s'appelle Star Citizen Refund. C'est en fait la communauté des gens qui se sont fait rembourser les milliers de dollars qu'ils avaient investis sur Star Citizen, parce qu'il est possible de se faire rembourser quand même un petit peu. Ou même maintenant, qui revendent en fait leurs vaisseaux. Les vaisseaux, parce qu'il y a un gros marché de l'occasion des vaisseaux, et les gens se disent, ils n'ont pas servi en même temps. Ils sont tous ils se disent j'ai 2000 dollars de vaisseau, je sais que le jeu ça sera de la merde parce que c'est plus possible, et donc ils les revendent à des gens qui y croient encore. Et ce qui est génial dans ce subreddit, c'est que ils arrêtent pas de prendre des phrases
que Chris Roberts et son équipe ont dit en 2013, en 2014, en 2015. Et c'est extraordinaire, on se rend compte de la masse incroyable de mensonges et de fausses promesses qu'ils ont fait aux joueurs. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose de beau dans la foi aussi, Agbu. On sait en fin de compte que, bah oui, ce sera jamais ça, on va. Mais au moins, c'est comme Noël, tu vois, c'est l'attente le plus beau, quoi. C'est irrationnel, effectivement, c'est de l'ordre de la foi, parce que les faits sont là pour montrer que bah voilà, c'est... Mais laisse-nous rêver. Et là, il y a Chips qui dit, mais moi, j'ai acheté plein de vaisseaux, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Non, vous êtes pas tombé là-dedans? Même pas. Chips, c'est un farmer. Chips, il va se fixer comme défi sur des jeux où il faut payer de jamais mettre le moindre centime de sa poche. D'accord. Clash Royale. Ok. Oui, je suis genre là, ouais. Ouais. Un peu irréductible dans le fond. Écoute, en l'occurrence, c'est une bonne chose. Dernière petite news que je vous propose. Une série serait en développement chez Netflix, apparemment sur l'univers de The Elder Scrolls. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous chatouille? Il y a de grandes chances que ce soit mauvais, donc non. Vous avez regardé The Witcher? Moi, j'ai tout pas regardé. Donc, c'était pas mauvais du tout. Ah bah tu vois? Non, mais c'est petit bonheur la chance Netflix, hein. Mmh. Ouais. Ah mais quand même, il y a des trucs bien parfois, donc pourquoi pas? Il y en a. Mmh. Il y en a. Mais je suis généralement extrêmement sceptique des adaptations d'œuvres que j'aime bien dans un format audiovisuel qui probablement va me péter les burnes. Ouais. Mais de toute façon, il faut arrêter. À chaque fois que je vois un jeu vidéo qui arrive sur une série télé ou en film, j'ai l'impression que c'est ce vieux complexe d'infériorité du monde du jeu vidéo qui se disent bon, nous, c'est le monde du jeu vidéo, on n'est pas top. Mais si notre franchise, on la met au cinéma ou on la met à la télé, et ben là, ça sera bien, ça sera plus glamour, il y aura des beaux acteurs, des belles actrices. Et j'ai toujours trouvé ça triste, ça n'a jamais donné quelque chose après, de convenable. On se souvient des Hitman, tout ça. Les chiffres de The Witcher après la série. Pour le jeu vidéo, que ça a relancé le jeu vidéo, c'est intéressant. Et puis aussi, je pense que ce soit The Witcher ou The Elder Scrolls, c'est aussi le gros effet d'aubaine de Game of Thrones, en fait, du succès de Game of Thrones, de se dire, mais en fait, il y a un public, et pas qu'un public masculin de geek, pour les séries médiévales fantastiques. Ouais. Donc je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien reprendre le flambeau de Game of Thrones et dire, on est les prochains, quoi. Un effet de mode sur les thèmes, ouais. Alors, est-ce qu'il va y avoir un effet de mode sur le cyberpunk dans les trois années qui viennent? Non, mais ça fait 2 ans déjà que c'est à la mode, le cyberpunk. Ouais. Et là, le médiéval fantastique, ils arrivent un peu après la bataille. Mais... Ouais, parce que Mad Max a bien tout raflé il y a 2-3 ans. D'ailleurs, ouais. Enfin, bon, bref. Ok, bah écoutez, on a largement dépassé le temps imparti pour cette première partie, donc... Nous allons boucler là notre petit tour de l'actualité. Ne quittez pas, braves gens. On parle du meilleur des jeux vidéo à venir et de nos choix pour 2021. Juste après cette pause extrêmement rapide. Donc, je laisse la main à la régie et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Une minute et demie, 2 minutes maximum. Allez, on se retrouve tout de suite.
Nous sommes de retour avec Cagbou, Noël Malware et nos invités Chips et Doigts pour passer en revue les annonces de jeux vidéo les plus excitantes que nous a réservées la fin d'année. Qu'est-ce qui arrive dans les années qui viennent et qu'est-ce que vous retenez plus particulièrement pour en 2021? On va voir ça, tout ça ensemble. Ouais. Et ça va pas être foufou, hein, je vous préviens. Ça va. Mais si, tu vas voir. Il y a plein de trucs. C'est les choix d'Ivan qui sont pas foufous. Hein, parce que franchement, il y avait plein de petits jeux de construction de base ou de city builder qui étaient vachement cool. Il les a pas eu tous sélectionnés. Il a fait des choix très mainstream. Exact. C'est vrai. Mais bon. J'ai sélectionné, effectivement, tout à fait arbitrairement, une série de 12 présentations ou d'annonces de jeux qui ont été faites plus ou moins au moment des Games Awards il y a quelques semaines et qui me paraissaient potentiellement intéressantes. Mmh. Et donc, je vous propose d'ouvrir le débat sur lesquelles sont, d'après vous, intéressantes effectivement ou pas. Et ma foi, si ça ne vous intéresse pas, il ne faut pas hésiter à le dire. Mmh. Donc, pour faciliter le travail de la régie qui va nous montrer des images, je vais annoncer les jeux les uns après les autres en décrivant un peu ce que j'en ai retenu moi et ce qui a motivé mon choix en fait. D'accord. Donc commençons par Fist. C'est un jeu d'action indé, un espèce de beat'em all en scrolling latéral avec des combos, des effets, des décors mignons. C'est de l'Unreal Engine 4. C'est un jeu chinois. Et c'est un univers un peu dieselpunk qui est prévu pour console et pour PC. Est-ce que ça a évoqué chez vous une petite envie? Ben, un lapin fils. Ben voilà, forcément, c'est là-dessus que je t'attendais, évidemment. Ça, ah voilà, bon bah c'est un lapin, il a un poing énorme, il fiste les ennemis. Qui ne serait pas intéressé? Après, on voit les images à l'écran là, bon ça se. Ouais. Je sais pas quoi non, te dire, Yvan. Si. Je sais pas pourquoi tu sais ça. Je sais pas quoi te dire. Parce qu'on a des invités c'est... et que je me suis dit, c'est un peu l'occasion de sortir de vos sentiers battus, tu vois. Certes. Oui, ah, franchement, est-ce que ça se joue à plusieurs? C'est sur console ou pas? Ouais, c'est sur console. PS4, ça se joue pas à plusieurs. Et c'est un Metroidvania. Ah, bon, allez, alors suivant. Moi, l'avantage de ce genre de jeu, c'est de pouvoir y jouer avec mes potes sur mon canapé. Ouais. Mmh. Voilà, c'est ça le truc. Donc, si tu peux y jouer avec tes potes sur ton canapé, moi, je peux toujours être client de ce genre de choses. Je crois pas que ce soit jouable à plusieurs. Du coup, je suis pas prêt. Après, il faut signaler que c'est un jeu chinois, donc ça peut être intéressant, parce que peut-être qu'ils vont faire les choses un peu différemment des jeux qu'on fait en Occident. Finalement, il n'y a pas de jeu 100% chinois. Il n'y a pas tant de jeux 100% chinois qui sortent. Donc voilà, faudra regarder ça. Après, c'est de la PS4 et tout. Ok. C'est déjà has-been. Ok, déjà. Non, exactement, ouais, mais enfin, surtout aussi, c'est un Metroidvania, quoi. J'en ai fait trop en fait. Ah ouais. J'en ai fait trop, j'ai plus envie d'en faire. Voilà. D'accord. Non mais après c'est le problème de la tranche d'âge de Canard PC, c'est que voilà, il y a plein de jeux. T'as 14 ans, tu découvres ça, tu dis c'est formidable, c'est extraordinaire et tout. C'est vrai que si t'en as 40 et que t'as déjà fait 25 jeux de ce genre depuis les années 90, bon bah c'est pas le même, c'est malheureusement pas le même enthousiasme. Qui a enclenché le mode paternaliste par erreur là? Non, je voulais juste ce que je viens de dire sur ce jeu, c'est exactement ce que je disais. Genre la veille du jour où j'ai testé Hades, en disant oh non j'en ai fait comme ça, j'ai pas envie d'y jouer. Celui-là c'était le jeu de l'année quoi, donc on sait jamais évidemment. Ok. Alors je crois que le jeu de l'année du coup ça a été ça a été Tilou non hein c'est pas Tilou 2 qui a gagné tous les The Last of Us The Last of Us qui a tout gagné ouais. Il me semble. Ça crée des grands débats d'ailleurs. Non, mais les Games Awards, c'est une fête commerciale. Ah, je veux bien te croire. C'est comme Noël.
Très bien. Je vous propose autre chose puisque mon premier choix n'a pas eu l'air de vous enthousiasmer. Alors là, c'est de la coop. C'est même purement de la coop. Excellent. Voilà. C'est, ça s'appelle It Takes Two et c'est développé par Hazelight. Vous savez, ce sont ceux qui avaient fait A Way Out. C'est prévu pour toute plateforme et très bientôt puisque ça sort fin mars. Donc c'est un petit jeu d'action coopératif qui d'ailleurs est livré avec un pass ami. Donc vous achetez le jeu une fois, vous pouvez jouer avec un copain. Et voilà, A Way Out, ça vous voyez de quoi je parle ou pas du tout? Ouais, c'était le truc de prisonnier où tu jouais un prisonnier et tu disais ça se jouait à deux. Et exactement. Se coordonner pour s'échapper de la prison. Je crois que ça n'a eu aucun succès d'ailleurs. Pas eu tellement de succès. Ça a été un peu. Je crois que les gens étaient assez déçus en fait. Et puis, comme tous les jeux coopératifs, de toute façon, il faut arrêter de sortir des jeux sur lesquels l'argument de vente c'est ça se joue en coop. En fait, c'est la preuve, tu vois, Chips, c'est ce qu'il demandait. Moi j'aime bien. C'est 3% du marché. Mais je suis pas grand monde dans le marché. On a une consommation où nous, grosso modo, on a notre jeu e-sport qui va nous prendre beaucoup de temps. Parce que ça demande beaucoup de connaissances, etc. Et en fait, à partir de là, c'est à quoi j'ai le temps de jouer. Et c'est le moment où on va plus choisir un jeu coop. Et nous, il nous arrive très souvent d'arriver, de lancer Steam et d'acheter pour une soirée 10 jeux à 10 balles et de tous les laisser dans la soirée. Et on retient ce qu'on aime, etc. Et c'est vraiment purement de l'utilisation coop de on veut glander sur un canapé entre potes. Ouais. 10 jeux à 10 balles, donc ça fait quand même des petites soirées à 100 euros. Non, ça gagne bien, ça gagne bien l'histoire. C'est moins cher que la drogue, voilà. Mais nous, c'est des soirées qu'on aime bien faire. On habite tous pas très loin, donc c'est assez facile. D'accord. Et tu vois, Moi, j'ai des bons souvenirs de Trin en jeu coop comme ça. C'est vrai que c'est sympa. Hein, quand t'es avec un pote, de te faire un jeu qui se finit en une soirée, c'est vraiment une expérience rigolote, quoi. Mais le dernier Trin, là, tu peux jouer jusqu'à 4. Ouais, mais déjà, moi, trouver un ami, c'est dur. Oui, pareil. 4, faut pas rêver, quoi. Après, là, pour revenir sur It Takes Two, ça a l'air mignon et tout, mais faut regarder l'univers, quoi. C'est quand même un peu enfantin. C'est l'esprit Nintendo, quoi. Regarde ça, ils font du trapèze et tout. C'est bien fait. Voilà. C'est Electronic Arts, je crois, qui va distribuer ça. Bon, en plus, c'est un atout. Troisième choix, c'est un studio parisien. Il s'agit de Endless Dungeon, donc c'est une révélation qui a été faite pendant les Games Awards. Le roguelite d'Amplitude Studio, avec une esthétique futuriste, un peu dessin animé, super mignonne. Moi, j'ai complètement craqué sur la DA de ce trailer là. C'est prévu pour toute plateforme. Il n'y a pas de date, à moins que Agbout en sache plus que moi, puisque tu les connais bien. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tu n'as pas le droit d'en parler, en fait. Non, j'en parle pas. Je parle pas des jeux d'Amplitude. Donc, roguelite d'Amplitude, moi, rien que le concept, ça m'intéresse déjà. Ouais. Et... Non ? Si. Si, après, moi, je sais pas ce que c'est. En fait, j'ai joué à aucun jeu d'Amplitude, à part Humankind, que j'ai un petit peu essayé dernièrement. Qu'est-ce qu'on appelle un roguelike d'Amplitude ? Roguelike, je vois, mais d'Amplitude. L'Amplitude, c'est le nom du studio, en fait. Ah, d'accord. Je me suis dit, c'est une sorte spéciale de roguelike, et je me suis dit... Non. Mais c'est un studio qui a des particularités sur la DA, ils ont une patte graphique assez forte, et sur la user interface, ils sont très très bons. Bah, ils ont bonne réputation, ça c'est clair. Ouais. Donc... Vous voyez un peu des phases de gameplay avec le moteur de jeu, c'est super clean, moi j'aime beaucoup. Ouais. Après, c'est encore du coop, quoi. Est-ce que ça se joue en coop, Ça a l'air de jouer en coop, ça a l'air cool, hein. Ouais, en vrai, c'est 4. Moi, ça m'intéresse complètement, Endless Dungeon, ça a l'air de jouer à 4 en coop, c'est parfaitement le jeu qui nous plaît. Je suis tout à fait d'accord. Des gens en roguelike dans un donjon à 4 et se charrier les uns les autres et mettre ton pote dans la merde. Moi, une de mes meilleures soirées gaming, c'est de faire Magicka avec des potes, hein. Ah ben voilà, tout à fait. Oh, Magic, ouais. Tu sais que j'avais discuté de Magic avec...
Non, mais j'avais discuté de Magica, j'avais été très content d'ailleurs, j'avais discuté de Magica avec Paradox. Paradox, c'était l'éditeur, c'est mon éditeur préféré, il fait des jeux très compliqués, il fait Lords of Iron, l'Europa Universalis, et je leur avais demandé quand je les avais vus, mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez produit Magica qui correspond pas du tout à votre ADN d'éditeur, et est-ce que vous comptez produire d'autres jeux à la Magica? Et il m'avait regardé en me disant, écoute, Magica, ça a été un vrai succès commercial, mais on ne fera plus jamais ça. Monte. C'était un peu ça en fait. Ils ont dit ouais, non, Magica c'était un peu. C'était après, pas ils notre sont plantés sur Wizard War qui était le Magica e-sport, multijoueur, etc. Sur lequel j'ai beaucoup d'espoir, mais qui était tellement compliqué qu'il a été abandonné. Mais le gameplay est technique, hein. Honnêtement, ouais. c'est challengeant. Hein. Genre, j'ai testé une petite game de multi un jour et les mecs en face étaient tellement forts. Genre, et voilà, pourtant ce genre de jeu ça me fait pas peur, mais j'avoue que là c'était un peu trop. Bon, en tout cas ça a l'air super beau, super mignon, moi j'y crois à fond. Mon quatrième choix, alors là c'est volontairement pour vous faire causer, parce que bon, c'est un gros Barnum hollywoodien, c'est les annonces de Arc 2, ils ont rien montré de gameplay, il y a du Vin Diesel partout, le gars a même un rôle dans le studio, il est président de la convergence créative. Donc... Mais cela dit, Vin Diesel, ça a toujours été un gros gamin. Ouais, tout à fait, il avait cofondé un studio de jeux. Et on le voit à l'écran. Attends, là, il n'avait pas joué dans des films de Uwe Boll, Vin Diesel. Je vérifie ça. Peut-être au tout début de sa carrière, peut-être. Donc c'est apparemment une exclue Xbox Series. On ne sait pas quand ça sort. Ça doit sortir en même temps qu'une série de dessins animés sur le même thème. Ce sont évidemment les développeurs de Arc, donc le studio Wildcard. Est-ce que ce genre de truc, ça vous intéresse comme le bon gros nanar que tu vas te faire un soir, ou est-ce que c'est vraiment... Ou est-ce que ça vous passionne, ou est-ce que c'est vraiment le truc qu'on regarde même pas? Arc, ça a du potentiel. Enfin, le premier Arc avait du potentiel, et puis il a jamais été convenablement développé. Ça reste encore un jeu qui rame, même sur des gros PC. Ça reste un jeu qui est pété de bugs. Ça reste un jeu où faut, quand tu joues en solo, il faut grinder 4000 heures pour avoir le moindre dinosaure. Ils ont jamais vraiment terminé Arc. Donc, je vois pas pourquoi ils termineraient Arc 2. Et voilà. J'ai plus confiance en ce studio. Ouais. Oui, je suis clairement pas du tout, mais pas du tout intéressé. Genre, pas le temps, et grind, c'est bon, j'ai joué à World of Warcraft, au bout d'un moment, et j'y retournerai plus, quoi. Ouais, c'est pas forcément... Enfin bon, après, je peux bien aimer grind, mais là, peut-être pas. Après, c'est du coop aussi, hein. Il faut absolument être en clan, mais bon, c'est du coop, c'est pas un coop d'une soirée, hein. C'est du coop, vous partez pour 4 ans avec vos amis. Ça demande trop de temps. Pour le prochain confinement, si j'ai explosé toute la liste des jeux, je voulais rattraper, quoi. D'accord. Moi, ça m'étonne qu'on sente encore des trucs comme ça, vraiment ce trip hollywoodien sur le jeu vidéo avec un acteur, pas de gameplay. C'est un truc C'est qui le cœur de cible? Mais c'est ça, c'est exactement la question que je me pose. Moi, je pense que c'est les gens qui ont acheté Arc et ils sont quand même un paquet. Ouais. Arc, ça a été en tête des ventes de Steam pendant des années. Malheureusement, même si le jeu était complètement, complètement pété, les gens ont une. Il y a beaucoup de fétichistes du dinosaure. C'est vraiment une partie de la société qui est très cachée, qu'on montre pas. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés par les dinosaures. Et les dinosaures, c'est vrai qu'ils sont peu représentés dans les jeux vidéo. Il y a que sur Arc où on peut dresser un tyrannosaure, on peut faire ce genre de choses. Est-ce que c'est pas le type de jeu où le père de famille qui veut faire plaisir à son gosse va se faire attraper par le vendeur qui va lui vendre ce truc, et il y a Vin Diesel et il est fan de Fast and Furious? Ça peut être ça. Ouais, t'as sûrement ça raison. Peut ça. Mais peut-être que c'est ça, c'est les gens qui regardent Fast and Furious qui jouent à ces jeux-là aussi. Et voilà, mais alors c'est très bien parce que vous tombez sur un client dans ce call. Mais je regarde. Mon collègue. Je regarde beaucoup de choses. Les pires comme les meilleurs. Du cinéma polonais en passant par Vin Diesel. Et quant à la fin dans le film Vin Diesel... où The Rock, il récupère l'hélicoptère par la chaîne, etc. Et bien dans la salle, comme les autres, je me suis levé, j'ai applaudi. J'ai bien fait de choisir ce jeu. Je le savais. Allez, un cinquième choix qui est directement dédicacé à nos deux invités, puisque c'est un des nouveaux jeux Riot Games. Ruined King, League of Legends Story... C'est donc un RPG solo, ça ressemble même
à certaines phases à un JRPG, j'ai l'impression. Ouais. Les phases de combat, c'est ça. Qui est prévu pour 2021 sur toutes les plateformes. J'imagine que vous y êtes intéressé. Bah ouais, mais on n'a pas vraiment d'infos en fait. Non, non, mais c'est pas pour avoir des infos, c'est juste est-ce que ça vous branche quoi. C'est à moitié du boulot et à moitié de la curiosité. Donc, ouais. Ne serait-ce que pour. Parce qu'on travaille avec Riot et que probablement, si ça se trouve, on va devoir bosser sur de la com autour de ce jeu ou sur des émissions spéciales, de toute façon, je le prendrai en main. Après, moi, je suis un gros fan de RPG, donc c'est le genre de jeu qui peut parfaitement m'intéresser. Maintenant, je sens que c'est un truc qui se clean en moins de 10 heures et après, t'y retournes pas forcément. Ah, tu crois que c'est un petit jeu comme ça ? Après, c'est pas trop le but de Riot normalement de faire des jeux comme ça. Hein. C'est pas trop leur philosophie. Hein. Un truc qui se clean en 10 heures, mais c'est Riot pas trop Forge, la maison. J'attends aussi que Riot Forge ils sortent des petits one shot comme ça de temps en temps. Alors, et c'est peut-être pas du tout ça, hein, mais de temps en temps, un petit one shot qui. Alors, oui, c'est un peu comme un Slay the Spire. Hein. Slay the Spire, tu peux y jouer 10 heures, tu peux y jouer 400 heures. Si ça se trouve, c'est ça. Mais moi, je pense qu'une fois que tu y as joué 2-3 fois, je suis pas sûr que tu le relances. Mais alors, je dis ça en voyant des images et en fonction du truc. Hein, ça se trouve. J'ai nos clous. Moi, ça m'intéresse. JRPG, ouais, j'allais te demander, Noël. Ouais. Bah ouais, bah déjà, de toute façon, les RPG, je suis généralement client. Et puis, Riot, souvent, quand même, quand ils font quelque chose, ils le font bien. Donc, c'est pro. C'est toujours voilà. Pro quand ils font quelque chose. Cela dit, ils ont tellement de moyens que... Ouais. Voilà. Et puis, donc non, moi, ça m'intéresse. Et j'ai même pas été payé pour le dire comme nos invités. Donc... pas encore. Donc, non, ça m'intéresse vraiment. Ok. Sixième choix, on est encore sur du coop. Back 4 Blood. C'est donc le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, voyez-vous, qui doit sortir en juin 2021. Très c'est intéressant. Ouais, le studio, c'est Turtle Rock, qui s'était un petit peu planté avec Evolve, son précédent titre, mais qui a l'air de revenir un peu aux sources. Hein, c'est tellement The Thing. Voilà, donc... je crois qu'on a streamé ce truc-là ouais, sur Canard PC. Ouais. Isual, Hélène Ripley et Sebum, je crois qu'on streamait ça. Et ça s'est passé comment ? Moi j'ai pas suivi, ouais, j'ai un truc plus. À faire. Moi non plus, et puis... Bravo les mecs. Moi non plus, et puis Isual a écrit un article, mais je l'ai pas lu. Voilà. Ouais, pareil. Ok. Le voilà. Professionnalisme à son maximum. Mais non, c'est bien. Left 4 Dead, vous avez joué. Ça a l'air beaucoup. Ça a l'air chambé. Beaucoup, hein. Beaucoup. Ça, pour le coup, c'est typiquement notre truc. Hein. Ouais. Non, ça a l'air cool. Hein. Il y a des grosses explosions, il y a des têtes de zombies qu'on éclate... Ouais, ça, c'est, voilà, ça va être le Left 4 Dead 3 qu'on aura peut-être jamais. Donc, voilà, très bien, ça a l'air beau et tout. En client, voilà, si ça peut être difficile, c'est parfait. Hein. Voilà. Je pense que c'est un truc qui peut occuper 10 soirées multijoueurs avec des potes. Et je rebondis rapidement, ça me fait beaucoup penser à The Strain, la série de Guillermo del Toro qui est excellente et que je vous conseille. Voilà, au passage, en rapport avec ça. Ok. Très bien, ça ressemble quand même vachement à Left 4 Dead. Hein. C'est limite du plagiat. Hein. Mais oui, mais ils avaient fait Evolve, ils avaient voulu changer un peu la recette, ça n'avait pas marché. Ouais, et bah là, ils reviennent. Très bien. Ouais. Ouais, c'était un boomer. Là. C'était un boomer qui crache sur tout le monde. C'est vraiment les mêmes ennemis. Dans le chat, il y a Courgette qui nous dit que apparemment dans le stream, c'était moyen, ils n'étaient pas super saucés. D'accord. Voilà. Mmh. Okay. Mais lisez l'article visuel. Qui est sorti ou qui va sortir ? Il va sortir en fait, je crois. D'accord. Ok, on change complètement d'univers et de trip. Et ça, c'est, je l'assume. Septième choix, c'est Season. Season, c'est un road trip en bicyclette, figurez-vous. D'un studio canadien qui s'appelle Scavenger Studio, qui s'était complètement planté avec son précédent jeu, Darwin Project. C'était une sorte de Battle Royale qu'ils ont dû arrêter au bout de 5 mois, tellement il n'y avait personne. En même temps, c'était le jeu sur Twitch où les viewers pouvaient influer sur le match. Ils ont développé une techno pour faire ça, en s'appuyant sur ce que fait Twitch et Amazon depuis un moment. Donc c'était un des premiers jeux à utiliser ces trucs-là. Et donc là, c'est très bizarre. Ça a l'air d'une histoire un peu entre deux eaux, assez douce, mais en même temps, il y a une espèce d'ambiance pré-apocalypse. Et c'est une jolie DA, un peu dessin animé, comme vous voyez à l'écran. Moi, je sais pas, ça m'a donné envie de voir ce que ça donnait. C'est prévu pour PlayStation 5, apparemment.
Est-ce que rien que comme ça, là, aux images, regardez cette magnifique bicyclette. Moi j'ai. Alors si vous regardez la description du jeu, ils annoncent ça comme un road trip d'aventure en bicyclette à la troisième personne, atmosphérique. Voilà. Et elles sont général, les vagues de zombies là. quand un développeur dit atmosphérique, ça veut dire on n'a pas de système de gameplay, tous les mécanismes, c'est juste faux. Mais c'est bon, voilà, c'est beau, regardez. Ah mais on le voit, voilà, regardez, il y a une petite libellule à l'écran, alors le petit monsieur qui tape la libellule, c'est atmosphérique, donc en fait ça va être une série de cutscenes, voilà. Je vous le dis, c'est un jeu, il y a marqué, ce jeu est fait pour Noël Malware dessus. Mais voilà, Noël, t'es avec moi là-dessus. Ah bah bien sûr. Je pense que tu vas te faire chier, hein. Vraiment, ça c'est. J'ai l'habitude, l'ennuise. Enfin, j'ai l'habitude, et puis je vais faire un article pour dire comme c'est beau la vie. Et puis voilà. Regarde, il y a des vaches. C'est bien. Non, mais en plus, moi, j'ai vraiment. Justement, ça me dérange pas si le gameplay il est léger. C'est des jeux qui proposent autre chose que... Mais c'est clairement du malware core. Ouais. Ouais, clairement. Ok, donc, ouais, moi, je suis super chaud. Ouais. Pas assez de zombies pour nos invités alors. Ouais, j'ai peur de m'emmerder quand même. Ouais, non, c'est, y a pas assez de mécanique pour moi là. J'aime bien, c'est joli, hein, c'est super. Mais peut-être qu'on peut dérailler. Ouais, peut-être. Ou peut-être, crever, peut-être, ou je sais pas. Ouais. Non, mais peut-être que tu peux choper quelqu'un là dans la ville et le tabasser. Il y a un truc qui se passe. Ouais, peut-être. Non, mais c'est des jeux en général, bon, qui ont quelque chose de poétique. Alors, je comprends mais que quand super. On aime Fast and Furious. Ah, il faut lui dire, tu as bien raison de lui dire. Non, je plaisante, en plus c'est très bien Fast and Furious, mais oui, c'est vrai que c'est des jeux où c'est plus en général dans les sentiments, quoi. Faut aimer ça, quoi. Voilà, moi j'aime bien. De toute façon, les joueurs de LoL, ils ont pas de sentiments, c'est bien. Il faut avoir perdu son âme pour pouvoir jouer à LoL. Une rupture amoureuse, de la musique un peu triste qui accompagne l'achat de ton chaton, et hop, voilà. Tu lances un petit jeu atmosphérique et je suis sûr que t'es dans le meilleur des mondes. Voilà. Avec ton pot de Ben & Jerry's et ton pyjama une pièce. Exactement. Mais oui, non, c'est clair, c'est un délire. Mais même à chaque fois que je teste des jeux comme ça dans Canard PC, c'est un peu compliqué parce que je sais très bien que moi j'aime bien. Et je sais très bien que y a plus de la moitié des lecteurs, il faut absolument pas que ça leur tombe dans les mains. Ils vont détester, quoi. Ouais. Mais ceux qui aimeront, et moi je fais partie des gens qui aimeront. Non, mais du moment que tu le signales. Voilà, ouais, en général, j'essaie de le signaler. Ouais. Avec des grands panneaux partout. Ok, on attend quand même de voir s'il y a un semblant de gameplay dans cette histoire. Oh, il y en aura pas. Ma huitième proposition, c'est Crimson Desert. Ah. Ouais, Noël a un peu creusé le sujet, je crois. Ouais. Oui, je fais un article dessus. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'était prévu comme un MMO et ça l'est plus tellement, en fait. Hein. C'est les gens qui ont fait le MMO Black Desert Online. Ce sont des Coréens de Pearl Abyss. Oui, c'est ça. Et là, c'était donc prévu pour être un MMO. C'est devenu un jeu solo. À mon avis, vu la manière dont ils communiquent, ils ne savent pas exactement où ils vont. C'est rassurant. Jeu, je pense. Ouais, c'est pas très rassurant, effectivement, mais en fait, moi, c'est le jeu que j'attends le plus maintenant. C'est le jeu où je regardais les Games Awards et puis, bah, évidemment, je m'emmerdais à moitié parce que c'était chiant comme la pluie. C'est un peu chiant, ouais. Et puis, tout d'un coup, il y a eu ce truc-là et j'ai levé, mes paupières se sont ouvertes, j'ai fait « Oh, mais c'est joli, ça !» Et puis après, je me suis endormi. Mais ouais, c'est très, très joli. Ça ressemble un peu... Alors, à du Assassin's Creed Valhalla ou à du Witcher, mais c'est... Skyrim. C'est en TPS, enfin c'est à la troisième personne. Mais en même temps, c'est fait par des Coréens, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Ça me fait plaisir de voir d'autres cultures, notamment les Coréens, débarquer sur un genre de jeu qu'on voit d'habitude plutôt fait par des Occidentaux. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils peuvent apporter. Et je spoil un peu mon article, mais c'est aussi ce que je dis, si ça peut mettre un petit coup de pied aux fesses à Ubisoft pour dire « Regardez, on peut faire aussi joli, et nous, il y a un vrai gameplay », j'achète, quoi. Après, il faut quand même de l'expérience et du budget pour faire des jeux comme ça. Là, ça a vraiment l'air de ressembler, comme tu disais, à un Assassin's Creed ou un Witcher. Et si c'est un studio qui débute, qui n'a jamais fait ce genre de jeu avant, ça peut être... Tu regardes les combats et tout, est-ce que tout va bien tomber, est-ce que les animations seront bien calibrées, est-ce qu'il y aura de la foule qui va s'encastrer dans les rochers, tu vois. Moi je pense. Donc le trailer est cool, hein, mais. Je suis très intrigué et honnêtement, ça m'a un peu sauvé mon début d'année
de me dire, ah bah tiens, enfin j'ai un truc à attendre. Finalement, il te reste une raison d'exister jusqu'à fin 2021. C'est ça, c'est positif. C'est ça. Est-ce que tu as réussi à savoir si c'était plutôt un jeu d'aventure ou plutôt un jeu de rôle? Non, en fait, ils savent pas vraiment. Enfin, ouais, je dirais que c'est quand même plus aventure dans le sens où tu as des combats vraiment nerveux, très très nerveux. D'ailleurs, on le voit là. Il y a la possibilité, je crois, de faire de l'infiltration aussi. Mais non, tu sens que pour l'instant, ce qu'ils présentent, et même la manière dont ils le présentent, les développeurs, t'as vraiment l'impression qu'ils ont collé des bouts de trucs ensemble et qu'ils savent pas encore. Mais par exemple, pour l'histoire, tu vois, ils disent, ouais, ça, c'est des bouts de l'histoire. Pour l'instant, on a ces bouts-là, mais on n'a pas encore écrit le reste, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire ils ont développé des cinématiques, mais ils savent même pas où ça va, l'histoire, quoi. C'est quand même... c'est fort. Agbu te dirait que ça n'a aucun intérêt, l'histoire, de toute façon, donc... Oui, c'est ça, c'est vrai, quoi. Mais donc, mais voilà, ça m'interpelle. Voilà. Le trip Assassin's Creed. Je suis content aussi, un autre truc, c'est que je suis content que les Coréens arrêtent de faire des MMO, quoi. Ouais. Mais bon, les MMO, c'est bon, quoi. Chips, le trip Assassin's Creed, c'est ton truc? Bah, j'ai joué à Assassin's Creed, mais je crois le premier. Ouais. Et j'avais bien aimé me jeter de hot tour et tout. Après, le concept n'avait pas. Était pas suffisant pour m'avoir ramené sur le truc, mais bon, il est beau là le jeu, hein, et le personnage ça va être un gros bourrin, hein. Ah ouais, il met des doubles coups de pied et tout, genre. Non, mais ça a l'air marrant, il doit avoir quelques sensations, je pense, à exploser l'adversaire sur ce jeu. Si le côté RPG est bien fait, parce que c'est quand même ce qui me plaît le plus dans ce genre de truc, c'est me faire un personnage overpowered en ayant farmé tout l'open world avant de toucher la quête principale. Si on peut faire ça, c'est cool. D'accord. Ok, on change complètement d'ambiance pour une proposition de survival horror, The Callisto Protocol. Donc ce serait un survival horror en solo, très narratif, avec le studio cofondé par le créateur de Dead Space, un studio qui s'appelle Striking Distance. Vous êtes branché horreur, Chips et Noir? Non, moi j'ai peur. Ouais. Dans ce genre de cas. C'est un bon début en général. Pourquoi pas, mais ça se suffit pas à soi-même. De l'horreur pour de l'horreur, si j'ai pas un truc un minimum intéressant derrière, si c'est juste des suites de jumpscares et des trucs où t'avances dans des salles et des énigmes, ça va vite me saouler. Bah là, il faut apparemment arriver à sortir d'un complexe pénitentiaire de haute sécurité où il se passe des trucs un peu moches. Je préfère de l'horreur à la Doom, voilà. C'est pas vraiment de l'horreur, mais de l'horreur où ça shoot. D'accord. Du gore, en fait. Ouais, du gore. Le survival, non, c'est différent. Ça peut être stressant, je me souviens plus, il y avait le Dead Space, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelait, les trucs dans l'espace un peu flippants. Dead Space, ouais. C'est ça, bah, c'est tout à fait dans la lignée, là, visiblement. Ok. Ouais. Bah ça, à la limite, pourquoi pas. Par contre, Yvan, t'as mis que ça se passait dans l'univers de PUBG. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait un univers à PUBG, en fait. Mais en fait, c'est un peu chaud parce qu'il y a un regroupement de studios qui partagent un peu le même univers autour de PUBG, et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais moi, je vois même pas c'est quoi l'univers. Ouais, mais il y a pas ce genre de truc dans PUBG. Il a une sale gueule, hein. Ouais, non, mais c'est genre c'est 100 ans après, ou je sais pas quelle connerie. D'accord. Je pense pas que ce soit très important pour le jeu, on va dire. Ouais. En tout cas, oui, bah, le premier Dead Space était vraiment très 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 bien, donc pourquoi pas. Ok. On fait un petit détour sur un concept que je trouve assez rigolo, qui est donc revenir vers le Moyen-Âgeux et rester dans le coop pour plaire à nos invités. Le coop compétitif. Avec super. Hood, Outlaws and Legends, on est dans du braquage en multi dans l'univers de Romain Desbois, entre deux équipes de quatre joueurs qui sont opposés pour choper le même butin et affronter les mêmes défenses. C'est fait par Sumo Digital, qui est un studio anglais qui est très connu pour les jeux de bagnole. C'est eux qui ont fait Forza Horizon... mais aussi Crackdown et Little Big Planet, le troisième. Ça doit sortir en mai, c'est édité par Focus, et c'est prévu pour toutes les plateformes, et je trouve le concept super original. Ça a l'air trop cool. Ouais, grave.
Parce que moi, je pense, enfin, le dernier jeu que j'ai fait justement en termes de braquage, c'est un truc, je sais plus si vous voyez, c'est un truc en coop où tu braques des banques ou des trucs comme ça et. Payday, voilà, exactement. Mmh. Et j'avais trouvé ça vachement fun. Mais là, du coup, affronter d'autres joueurs avec tes potes, moi, ça me parle pas mal. Hein. Il y avait quelques trucs. On avait, il y a longtemps, organisé pour Ubisoft un petit tournoi multijoueur d'Assassin's Creed. Alors, me demandez plus quel numéro, j'en serais bien incapable. Mais que j'avais trouvé ça dans le concept un peu marrant, un truc un peu différent, ouais. Multi, de devoir se balader dans la foule, se camoufler pour mettre des vieux backstab et faire semblant d'eux. Ouais. Il était super sympa. Bien le multi. Il était cool ce mode de jeu. Et on est des gros fans de Mordo aussi avec Chips, donc faire voler une tête à la Sveyander, c'est un truc qui nous fait kiffer. Oui. Oui, oui. Ouais, donc là, le principe, c'est qu'il y a deux équipes de quatre joueurs qui s'opposent, en fait, pour être le premier à braquer un truc qui est défendu par des NPC. Et donc, il faut non seulement battre les NPC, arriver au trésor, le trouver, machin, mais aussi éviter l'équipe adverse qui peut soit vous doubler, soit vous tendre d'une embuscade sur le chemin du retour, etc., etc. Je trouvais le concept super cool. Toi, presque trop compliqué pour être vrai, mais... Ouais, ça va être un bordel à équilibrer, et puis... Et puis t'aimes pas la vie et t'as pas d'amis, de toute façon Non, et puis je vois focus dessus, et je vois pas focus sortir un jeu de ce genre, réussir un jeu de ce genre, voilà. De mon expérience, va y avoir des trucs tout pété. Mais là, c'est un gros studio, quand même, hein. C'est pas Focus qui va dénicher un indé Sumo oui. Digital, c'est gros, hein. Oui, mais la taille n'a pas d'importance, sinon tu vas le savoir. Et moi, en tout cas, ça me parle. Genre, petite découverte, là, je savais pas que ça arrivait, ce jeu-là, et on gardera à l'œil. Parce qu'on a, notre petite communauté sur Discord, où on se retrouve tous les soirs, et c'est typiquement le genre de jeu qui peut nous intéresser. Ah, ça peut partir sur un jeu comme ça, et genre, ouais, on veut pas jouer à LoL, on veut pas jouer à un autre jeu, venez, on se craque trois parties de ça, quoi. Je suis content que vous soyez là, vous savez. Merci. Franchement, ça me change, vous voyez, d'avoir des gens qui sont un peu ouverts d'esprit, qui regardent le monde avec les petits yeux émerveillés. Avec des voilà, yeux d'enfant. Voilà, exactement. Oui, on est peut-être naïfs, hein. C'est peut-être que ça va être une grosse bouse, hein, et on est naïfs. Non, hein. Pas du tout. Continuez, restez comme ça. Vous pouvez revenir dans un mois. Ne venez pas dans 15 jours, c'est un type un peu bizarre qui a mis des missions. Avec sa petite lumière qui présente. Allez, je vous propose en 11e proposition un reboot de Perfect Dark. Je ne sais pas si vous avez connu ce jeu qui avait été créé par les Anglais de Rare. Mais ça date d'il y a 20 ans. Exactement, ouais, tout à fait. Donc un univers un peu d'espionnage où on joue l'agent Dark, surnommé Perfect Dark, qui enquête sur des gros conglomérats dans un univers un peu... Donc c'est un thriller d'espionnage un peu futuriste, voyez-vous. Visiblement, c'est un reboot, mais dans un univers un petit peu différent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est donc le premier jeu d'un studio un peu... comment dire, qui a été constitué de toutes pièces par Microsoft avec des vedettes. Donc le studio s'appelle The Initiative. C'est un gros studio fondé avec des vedettes, des experts du AAA de toutes les catégories, dirigé par l'ancien patron de Crystal Dynamics. Donc ça va très vraisemblablement être une exclue Xbox et PC. Est-ce que vous connaissez la série d'origine ? Non. Moi je connaissais le nom, mais j'y ai pas joué à Perfect Dark. Oui. Après là, ce qu'il y a à l'écran, c'est mignon, hein. Enfin, je sais pas à quel point c'est un trailer cinématique non, ou parce que non, tu peux faire la vrille comme ça en jeu. si c'est le moteur, c'est vraiment mignon, mais je pense pas que ça soit le moteur. Non, je pense pas non plus. C'est du rendu à mon avis. Et puis le truc qui m'inquiète, c'est que tu dis Microsoft a fait un studio formé avec des stars et tout. Alors justement, moi c'est ça qui m'intéresse. Du coup, c'est une exclue Xbox PC. Ouais, tout à fait. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est un studio first party, ça fait partie des Microsoft Studios. Et est-ce que Microsoft va être capable enfin de sortir des exclus qui soient capables d'aller un peu concurrencer ce que fait Sony, quoi. J'espère pour eux. Voilà. Ouais. Chips, Noah, vous connaissiez la série Perfect Dark ?
J'ai entendu parler, mais j'ai pas joué. Je crois que c'est du Nintendo 64 à la base. Comment ça se joue? C'est une enquête avec on du en dialogue sait rien. Oui, c'est joli, mais bon. Non, il n'y a pas de gameplay pour l'instant. Bien, je dirais que pour l'instant, je suis... Mais Perfect Dark, voilà. Le premier, c'était vraiment un très bon jeu pour l'époque. Hein. C'était un FPS, ouais, hein. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est voilà, il y a quelqu'un sur le chat qui dit que c'était comme GoldenEye, mmh. Voilà, oui, ça fait partie des quelques FPS très réussis de la Nintendo 64. Voilà, après, c'est... De toute façon, vouloir ressortir ces jeux d'il y a 20 ans, bon... Bah, là, visiblement, ils prennent des libertés, ils reprennent le personnage et la licence, et puis c'est tout. Hein. Non, moi, perso, hein, genre, j'ai acheté le Command & Conquer Remastered et je suis très content, donc les vieux jeux qui ressortent, moi, ça me parle. Mmh. On sait jamais. Bon, pourquoi pas. Ok. Wait and see. Wait and see, absolument. J'ai pas de date de sortie pour ça. Allez, le dernier, c'est un tout petit jeu. Ouais, mais c'est original. Ouais, ça s'appelle Chia. C'est un petit jeu d'aventure en monde ouvert qui a la particularité, qui m'a un peu tapé dans l'œil parce que il est original dans le sens où il a la particularité de s'inspirer de la culture de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un studio français qui est à Bordeaux, qui a été monté par des gens qui sont originaires de Nouvelle-Calédonie et qui se sont inspirés de la culture néo-calédonienne, kanak entre autres. Ça doit sortir cette année et c'est une semi-exclu Stadia, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas trop, c'est Steam et Stadia. Ouais, ça a été annoncé par Stadia. Mais c'est aussi annoncé sur Steam. Donc voilà, petit jeu d'aventure en monde ouvert qui a l'air très mignon. J'aime bien, encore une fois, je suis assez sensible à la DA. Voilà. C'est mignon. Visiblement, il y a du chant, il y a un peu de mysticisme. Voilà. Il y a des beaux fonds sous-marins, il y a l'air d'avoir des phases d'exploration sous-marine qui sont cool. Et ça, pour Agbou, c'est important. La plongée, plongée. On voit il y a des beaux poissons et tout. Bah après, jeu atmosphérique. Hein. On peut on peut se mettre dans l'esprit des animaux. On peut même des objets inanimés. Il y a l'air d'avoir des mécanismes assez marrants. J'aime bien aussi les jeux du monde. En ce moment, on en voit de plus en plus dans les jeux indés. Là dernièrement, j'ai fait un jeu suédois, norvégien, je sais plus. Un jeu coréen aussi, il y a pas longtemps. Enfin bon, bref, les jeux indés comme ça qui permettent d'aller chercher d'autres types d'expériences et de faire ressentir. Enfin, ouais, moi j'aime beaucoup. Ah bah tiens, et c'était développé par édité par Kowloon aussi. Mais bon, bref. En tout cas, ouais, moi j'aime bien cette vibe en ce moment de jeu du monde. Tu fais jeu du monde comme musique du monde, toi. Un petit peu. Ouais, mais ouais, il y a un peu ça, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est bien qu'il y ait d'autres parties du monde qui se mettent à développer du jeu vidéo parce que ça a donné des très bons trucs. Hein. Il faut se souvenir que jusque dans les années 2000, les pays de l'Est, ils développaient rien du tout. Et puis quand ils se sont mis à développer des jeux vidéo, ça nous a donné. Bah, les premiers, on va dire, c'était les Arma. Bon, Arma, c'est quand même spécial. Hein. Ben, oui, mais maintenant, ça nous donne les Worlds of Tanks, ça nous donne les Witcher, ça nous donne les Cyberpunk. Et aujourd'hui, le centre mondial du jeu vidéo, c'est quasiment plus les États-Unis. Hein. C'est quasiment devenu l'Europe de l'Est, même les pays scandinaves qui font des très bons jeux, particulièrement sur PC, ouais. C'est un peu moins vrai sur console. Sur PC, mais. Sur PC, ouais, sur PC. Bon, là, en plus, ce dont tu parles, c'est plus des studios qui sont quand même des studios d'assez d'une taille assez importante, on va dire. Mais ce qui est bien, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé de rien. C'était des nouvelles régions du monde qui ont. Mais il y a de plus en plus, grâce à l'émergence de la scène indé, de vraiment tout petits studios, quoi, de jeux faits par 3-4 personnes et qui vraiment, pour le coup, n'ont aucune contrainte, quoi. Et vraiment, ça donne des trucs, là, quand je te dis jeu coréen, le jeu coréen que j'ai fait, ou le jeu norvégien là, que j'ai fait, c'est vraiment, c'est ultra coréen, quoi. Et c'est ça, j'aime beaucoup quand c'est comme ça, quoi, quand ils vont à fond dans leur truc. Ouais, parce qu'il y a deux politiques. Enfin, là, on voit un jeu qui se met de façon ostensible dans la culture d'une région et d'une île, en l'occurrence, et qui a une culture très forte. Voilà. Et l'exemple d'avant, c'était Crimson, je sais pas quoi, là, Crimson Desert, qui est développé par des Coréens, n'a pas un seul personnage asiatique. Donc c'est développé par des Coréens, mais dans une optique de mass media mondialisée. Ouais. Ouais. Et c'est pas la même chose, ouais. Ouais. Et c'est pour ça, ouais, pour moi, il y a vraiment un style jeu du monde que
j'aime vraiment bien explorer, quoi. Ok, messieurs, merci de votre participation sur cette sélection qui finalement a trouvé un peu preneur à chaque fois. Non, c'était vraiment pour les qu'on était poli, quoi. Ouais. Voilà. Non, vous étiez à peine poli. S'il y avait que ça qui sortait en 2021, je serais en train de postuler chez Chips et Noix pour devenir testeur au CP. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de jeux coop, hein. Moi je trouve ça bien. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein. Justement, 2021, on y arrive parce que là, c'était... Bon, il y en a quelques-uns qui sont prévus pour 2021, mais il y en a d'autres qui étaient sans date. Et pour terminer cette longue soirée ensemble avec des perspectives un petit peu plus concrètes, je vous ai demandé avant le début de l'émission à chacun quel était votre jeu ou à la limite vos jeux les plus attendus cette année, là, qui devaient sortir cette année concrètement. Et alors, j'ai quand même une petite surprise. J'ai eu plusieurs surprises, mais il y en a une qui m'a titillé. C'est que aussi bien Chips que Noix m'ont sorti un jeu qui était mais même pas sur mon radar, à savoir Warhammer 40 000 Darktide. Ah. Alors, bon, forcément, pas sur mon radar, tout ça, la recherche... C'est très atmosphérique comme jeu. Ouais, c'est ça, ouais. La recherche Google ne m'ayant pas informé plus que ça, j'ai été consulter notre spécialiste Warhammer, à savoir Can Lust, qui a validé ce choix, tout à fait, de son côté. Donc, racontez-moi, tous les deux, pourquoi, qu'est-ce que c'est, je sais pas, c'est un défi entre vous, c'est un guilty pleasure, c'est... Alors, moi, déjà, j'ai toujours joué Warhammer. J'ai joué les Warhammer Battle, les 40 000, j'ai tout fait. Donc, les figurines, j'ai joué à... Je joue beaucoup actuellement. Pendant le premier confinement et même le deuxième, les campagnes de Warhammer, je les ai fumées de long en large et en travers. Et en fait, avec Chips, avec Duke et avec Twix, on est donc... Duke coach pour Vitality en LEC, Twist il commente avec nous, dans les types de jeux coop dont on vous a parlé, et bien voilà, un jeu pour souffler où on se défoule et on vient jouer ensemble dans un truc où on va pas se foutre sur la gueule parce qu'on est ensemble et du coup il n'y a pas d'animosité, et bien on a beaucoup joué à Vermintide. Ça c'est vite dit quand même. Voilà, on a beaucoup joué à Vermintide, ouais. Et qui est grosso modo ça, mais version donc Heroic Fantasy, médiéval fantastique, etc., où tu défonces des hordes d'Omra et d'hommes bêtes avec tes potes en jouant un nain, un elfe, un humain et un magicien, quoi. Et point final, et c'est du Left 4 Dead style, mais contre l'IA, et nous, ça nous fait kiffer. Ouais, parce qu'en plus les décors et l'ambiance de ces jeux sont vraiment très très réussis, donc c'est un bon petit kiff à chaque fois d'évoluer entre deux vagues d'adversaires que tu coupes en deux, tu peux apprécier un peu le paysage et ouais, enfin nous on est vraiment fan de ce genre de jeu et là encore une fois l'ambiance a l'air d'être hyper réussie, donc ça nous parle vraiment vraiment. Ça a vraiment l'air d'être un Vermintide de grand. Ça me donne tellement envie de défoncer des trucs là. Ça aurait de prendre une Gatling, de balancer des grenades et tout, genre ça y est quoi. Ça vous parle, Agbou et Noël? Ouais, Vermintide, j'y avais joué un petit peu, j'avais trouvé ça sympa, mais ça se fait avec des gens, donc... Ils ont le même problème. On n'aime pas les gens. Ouais. Voilà. Il y a le facteur humain qui me dérange toujours un peu dans ce genre de jeu, donc bon. Bah pareil. D'accord. Donc Noa, tu nous en as parlé un peu, t'as testé la version de comment dire, d'Early Access de Baldur's Gate 3, et dans tes choix tu m'avais mis Baldur's Gate, mais la version def. Hein. La post-tactique RPG, c'est mon plus grand kick. C'est ton truc. Les Baldur's Gate, Planescape Torment, etc., je les ai faits, mais encore les Dragon Age, les Divinity, je dois avoir 300 heures de jeu par jeu, je le fais, je le refais, et je m'en dégoûte tellement je l'ai fait, mais je pense que je dois finir un Baldur's Gate au moins une fois par an, ça d'accord. C'est sûr, quel que soit, n'importe, et pour le coup, donc j'ai joué à l'Early Access, et je veux pas le refaire, parce que c'est ce que j'avais fait pour Divinity, l'Early Access, et j'avais refait genre 7 fois l'acte 1, et du coup, quand j'ai recommencé le jeu, j'ai poncé le jeu, je suis arrivé à l'acte 2, j'ai one-shot les boss, et j'ai dit bon d'accord, il faut que j'arrête. Et le jeu est trop bien parce qu'en plus ils patchent et par exemple ils avaient découvert que tous les joueurs pendant l'Early Access n'avaient pas utilisé la totalité des possibilités. Pour moi par exemple, Cyberpunk, le seul moment où il m'a déçu c'est sur les choix des dialogues qui servent à rien. Pour le coup Baldur's Gate c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire tu peux prendre des choix qui t'emmènent dans des trucs
hallucinant. Et ils ont, je trouve très bien, et ça, ils sont en train d'accentuer ça. C'est-à-dire qu'ils ont refait tous les choix, ils ont dit dans un patch, on a refait les choix pour que les choix pacifiques, où tu lootes pas un cadavre, eh bien, soient aussi intéressants d'un point de vue des gens qui aiment grind de et tout. De l'XP, etc. Ouais. Ah ouais, ah moi, et là, je vais retourner, et je retourne chaque caillou. Hein. Il y a un pote qui m'a dit, tiens, je vais te regarder sur Discord jouer au jeu. Puis au bout d'une demi-heure, il m'a dit, tu joues tout le temps comme ça? J'ai fait, ah ouais, mec. Moi, je lis tous les bouquins dans la bibliothèque, je récupère les bouts de chandelles, je les revends aux marchands d'à côté, je fais un aller-retour, je vide les champs de bataille. Genre, t'as pas envie de me voir jouer? C'est dans 2 heures, j'ai pas quitté la salle. Non, mais et après ça, il te dit, ouais, et puis là, je suis vraiment arrivé trop popé au boss de fin, et en fait, je lui ai jeté un bâton, il s'est fait one-shot. C'est ma grande critique, voilà. Ça coûte rien de cacher un boss dans un coin de la map et te dire, ce boss, il a 6 millions de points de vie, débrouille-toi. C'est un des avantages des Final Fantasy. Ouais. Ah ouais, donc si tu joues comme ça, tu joues tout seul, quoi, tu peux pas jouer avec d'autres gens. Ah non, je joue pas en coop, je m'amuse pas, ah ouais, et les gens autour de moi s'amusent pas. Les gens, ils te tapent, hein, au bout d'un moment. Ok, toi tu m'as cité Stronghold Warlords, Chips. Ouais, alors parce qu'en fait, alors il faut savoir, je suis pas un grand spécialiste de Stronghold, mais je dirais même que j'avais complètement loupé le jeu jusqu'à il y a peu, où j'ai un terrible, pote... terrible quand même, faut dire. Stronghold? Ouais. Ah ouais, bah je sais pas, moi j'aime bien ce genre de jeu où City Builder, etc. Enfin, j'adore ce genre. Et en fait, j'aime beaucoup les jeux stratégie en général et je trouve qu'il y en a pas énormément qui sortent. Et je le trouve beau. J'aime bien le côté city building. Puis tu peux jouer avec des potes aussi, encore une fois. En fait, Stronghold, j'y étais. C'est notre pote Duke qui est coach en LEC qui m'a mis un peu au jeu il y a quelques mois de ça pendant le confinement. Et j'ai bien accroché au truc. Et encore une fois, on a si peu à se mettre sous la dent en termes de jeu stratégie. Ça, c'est vrai. Que ça m'a fait plaisir. Non, arrête. Que ça m'a fait plaisir de tester un concept que j'avais jamais utilisé jusque-là. Et donc oui, en 2020, je me suis mis à Stronghold un peu, j'y ai pas beaucoup joué non plus. Mais là, je me suis dit, tiens, un nouveau qui sort, c'est peut-être le moment de reprendre le concept en beaucoup moins vieillot et de me mettre un peu au truc, en améliorer. Donc je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais ouais, un jeu stratégie, moi, ça me chauffe grave. Et le côté city building, j'aime beaucoup. Donc on voilà, va faire c'est un jeu qui m'a accroché. Auprès d'Agbou, il va te faire découvrir des city builders tchèques, polonais, des trucs tristes comme. Ça dépend parce que là, c'est quand même du city builder un peu faible. Oui, non, mais ça c'est clair. C'est pas clair. Le principal du jeu. Ouais. Mais si t'aimes ce genre de jeu, il y en a un très bon qui est sorti ces dernières années qui est vraiment dans la même veine, c'est Zerar Billions. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Si t'aimes Stronghold Warlords, t'essayes Zera Billions, ça normalement ça regardez, devrait accrocher. Ça rend mad. Zera Billions, ça rend mad quand même. Hein. Ça frustre c'est... comme jeu. Hein. Quand t'as un fucking zombie qui est passé et t'as perdu 3 heures de jeu. Ouais, mais alors de la part d'un joueur de LoL, dire ce jeu me frustre, c'est dur. Hein. C'est on entend des trucs ce soir. mais je vois dans le chat quelqu'un qui parle d'AOE 4 aussi. AOE 4, je suis vachement curieux de voir ce que ça va donner. Ah bah carrément, non mais ça bien sûr. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de nouvelles depuis. Enfin, il y a un avis d'enlèvement là sur Age of Empire. C'est vrai. Mais du coup, Stronghold Warlords, ça me parle. Un jeu stratégique qui a l'air assez joli et tout. Faut voir les mécaniques, hein, mais c'est un truc qui peut me chauffer, ouais. Parce que le seul jeu strat auquel je joue avec notre groupe de potes, c'est Northgard. C'est Northgard. Ok. Agbou, toi, tu as choisi Dying Light 2. Oh, mais c'est vraiment parce que vous m'avez demandé. Oui, parce que je t'ai sinon, forcé. J'aurais dit que cette année va être pourrie, vu que Kerbal Space Program 2 ne sortira pas cette année, donc 2021 a perdu mais tout son intérêt. Et que Flight Sim est déjà sorti. Crusader Kings 3 est déjà sorti, Cyberpunk est déjà sorti. Voilà, ça va être une année blanche, probablement. Non, alors Dying Light 2, ben moi, j'y crois un peu. Ça m'a surpris de ta part. Franchement. Je l'avais vu tourner, mais je crois qu'il y a 3 ans sur une Gamescom, et je me suis dit, ah, c'est peut-être cool. Ah, si, ouais, il y a moyen. Alors là, j'ai appris il y a 2 heures qu'il y avait le lead writer qui vient de partir. Ah, alors, il y a des gens qui disent, il est parti, il a quitté, c'est Techland, c'est ça? Il a quitté le studio Techland. Alors, il y a des gens qui disent, c'est parce que le jeu est pris dans ce qu'on appelle le development hell, donc dans un enfer de développement et que le jeu va nulle part. Il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est parce qu'il avait terminé l'histoire et qu'il a plus rien à faire et que maintenant il va bosser sur un autre projet. Il a été pris aussi un peu dans les controverses MeToo, Avalon.
Mais c'est Avlon, t'es sûr, qui vient de partir? Je sais pas. Non, non, je sais qu'il y avait Avlon à un moment dessus, mais... Avlon, il était déjà parti, là, c'est l'autre. Ah. C'était le grand chef de l'écriture. Je dis peut-être une connerie, attends, est-ce que c'est bien Avlon? Dans le chat, ils vont nous dire. Probablement, Noël. Voilà, ça fait des années qu'il est en développement, il a pris beaucoup de retard, mais ça a l'air cool, c'est, voilà, on est dans une ville, il y a plein de factions, il y a de l'infiltration, il y a du parcours. Voilà, pourquoi pas. C'est un des rares AAA qui m'excite, on va dire, sur ces prochaines années. Faut que je regarde sur Internet, parce qu'il y a personne dans le chat qui nous dit si c'est bien Chris Avlon, le scénariste. Voilà. Et c'est Avlon qui vient de partir maintenant? Je sais pas. Parce que là, la nouvelle est tombée il y a 3 heures. Elle est tombée en fin d'après-midi. Non, il est parti au moment du scandale. Ouais, non, voilà. Donc là, il y a un autre writer de Dying Light 2 qui est parti. Et il y a plein de gens qui disent, ça va faire comme Dead Island. Ça va être, ce jeu va sortir dans un état catastrophique. De toute façon, ils savent pas terminer des jeux. Voilà. Ouais, moi, ça m'intéresse en tout cas. Mais non, mais ça m'intéresse aussi, mais il faut être méfiant. D'accord. On dit plus rien, on fait plus rien. On a perdu Yvan. Ah, on a plus Yvan. On a plus Yvan. On a perdu. Yes. Bon, alors du coup, ton deuxième on jeu. On a perdu Yvan. Ton deuxième jeu, Agbu, c'était. On a perdu Yvan. Ah oui. Mais tu m'entends toi, Agbu, tu m'entends? Moi, je t'entends. Okay. Ouais, moi, je t'entends. On vous entend aussi. Hein. Ouais. Ouais. Non, c'est Yvan qui est juste plus Yvan quoi. Du coup, Agbu, le deuxième jeu que tu m'avais proposé, c'était Subnautica Bello Zero. T'as vu, j'imite bien Yvan quand même. Oui. Oui, Noël Malware. Toi aussi, tu dois t'intéresser quand même Subnautica Bello Zero, ouais, non ouais. Ouais. Mais moi, j'ai fait le premier Subnautica pour la première fois cette année. Et bordel, quelle claque. Bah oui, et c'est pour ça que moi, j'attends de faire Bello Zero en version finale, parce que j'avais déjà poncé Subnautica en normal. Je suis de retour. D'accord, Yvan. Ah. J'ai eu peur. Mon micro, c'est... Eh ben, on disait que Subnautica Bello Zero, ça allait être génial. Voilà, pour sortir en version finale en cette année. Vous avez fait Subnautica, Chips et Noix? Non. Non. Mais allez-y. Attendez, je fais une parenthèse. Ça, c'est le problème des gens qui sont ce que j'appelle mono-jeux. Non, mais ça, c'est terrible. Les gens qui se... Je sais, parce que j'ai le problème avec des gens qui jouent à Rocket League, ou j'en avais du temps où je jouais beaucoup à Team Fortress 2. Il y a des gens, ils sont mono-jeux. Ils ne jouent qu'à ce jeu-là. Et du coup, ils passent à côté, parce que ce jeu leur prend tout leur temps disponible. Et du coup, ils passent à côté de trucs, mais tellement bien. Ouais. Mais t'es mauvaise langue, parce qu'ils nous ont cité plein de jeux, en fait. Ouais. Ils jouent à plein de choses. Tu racontes n'importe quoi. Alors, oui, ils ont sorti Baldur's Gate et Stronghold. Non mais c'est vrai qu'on loupe des trucs. Hein, moi, je suis d'accord, hein, mais il est toujours temps de se rattraper. Hein, donc Subnautica, vous conseillez. Ouais. Subnautica, il faut le faire. C'est un des grands jeux de ces 20 dernières années. Je pense que tu trouveras personne qui a fait Subnautica qui te dira c'est pas extraordinaire. Okay. Impossible. C'est pas génial. Je vais y jouer. Si c'est pas bon ou si j'aime pas, je viendrai vous chercher par la peau du aucun mec. Souci. Aucun souci, tu reviens. Et puis, ce qui est génial avec Subnautica, c'est que vous allez voir ce que c'est qu'un bon jeu de construction de base et vous allez remettre en cause tous vos choix de vie. Ah, mais vous si, c'est dire, le truc mais, où t'es dans la mer et tout. C'est ça, on m'en a parlé. Ça. D'accord. Maintenant, il faut l'installer. Ok. Mais je vous dis, après retourner à League of Legends après Subnautica, c'est bien. D'accord. Eh, mais on aura le temps d'en parler. De toute façon, on est pas très loin. Donc, oui. Subnautica, c'est très beau et en plus, c'est pas cher. Ok. Ouais, non, c'est vraiment et je vais vous dire, même moi qui aime pas les jeux à scénario, eh ben, là, c'est un des rares jeux dans lequel le scénario m'a touché. Vraiment. Il y a des scènes qui sont encore. Ancré dans ma mémoire où je me suis dit mais c'est extraordinaire ce qui se passe, je vais pas dire que j'avais les larmes aux yeux, mais c'était vraiment très émouvant. Et ça se joue en coop, c'est ça? La part quotidienne. Non, ça se joue pas en coop, parce que les bons jeux ça se joue jamais. Mmh. Bon, par contre, il y a pas de scénario, hein, c'est pas vrai ce qu'il vient de dire. Mais... Quoi? Mais il y a un scénario extraordinaire. Il y a pas de scénario dans Subnautica. Enfin, bon, bref. Bon, écoute, on s'engueulera à la rédaction. En tout cas, celui que vous voyez à l'écran, c'est Subnautica Bello Zero. Donc, c'est pas le premier, c'est une ambiance glaciaire, comme vous pouvez voir. Alors que le premier est plus, tropical. Voilà. Plus agréable, plus intéressant. Pour moi, d'emblée. Noël, toi, tu m'as cité, comme tu triches tout le temps, tu m'as cité 3 jeux. Bon, alors Cyberpunk, oui, on a non, compris, voilà, on peut... c'est genre, voilà, une fois qu'il sera fini, quoi. Ouais. Alors Sable, ça... Alors Sable, c'est le jeu, en fait, dans le prochain numéro de Canard PC, quand on a dû dire quel était le jeu qu'on attendait le plus, je voulais mettre Sable, et puis finalement j'ai fait une blague avec Star Citizen, mais le vrai jeu que j'attends le plus, c'est Sable.
depuis que j'ai vu les premières images, je crois que c'était il y a 3 ans ou quelque chose comme ça, en fait, il m'en faut pas plus. Moi, je suis à fond. Et il y a quelque chose que j'aime bien, en fait, dans ce jeu, c'est que 3 ans plus tard, alors on sait que ça doit sortir cette année, mais on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. On a vu quelques images comme ça, mais on sait quasiment rien. Et en fait, je trouve ça très bien, tant mieux. Il y aura pas de... J'espère que jusqu'au bout, on n'en saura pas grand-chose. Mais par contre, ouais, ces images... Et j'ai vu plein de gifs aussi. En fait, le développeur, il poste plein de gifs sur Twitter. Et donc, j'ai eu plein de gifs de petits bouts de gameplay. Et à chaque fois, ça me fait pleurer de joie, quoi. Mais vraiment... Alors là... Mais il faut vraiment dire qu'on s'excite dessus uniquement parce que la DA est fantastique, parce qu'ils ont un bon shader à la Moebius et que, oui, mais et comme, que voilà, si ça se trouve, après, les systèmes sont... Oui, mais comme pourris. Je disais dans mon test de Cyberpunk, quand c'est joli, moi, ça me suffit. Et là, vraiment, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau. Ah, ouais, c'est très, très beau. C'est pas juste beau... Enfin, c'est beau à tous les niveaux, quoi. Techniquement, c'est beau, mais c'est surtout la direction artistique, elle est phénoménale. Vraiment. Et là... On parlait tout à l'heure un peu de malware core, enfin tu vois, mais là tu peux pas faire plus à 1000% du malware core que ça, quoi. C'est vraiment. Enfin, moi je suis transporté. Ouais. Tout dans l'apparence et puis rien dans ce qui est vraiment important, rien de ce qui est à l'intérieur. Ouais. C'est malware core. Vous êtes sensible aux stimuli visuels comme ça Moi quand il y a trop de mièvrerie. Mais là, c'est pas mièvre. Non, là ça va, là ça a pas l'air. Je sais pas, les trucs contemplatifs et un peu poétiques, etc. Généralement, dans ma tête, ça a tendance à s'associer avec le mot chiant. Donc, j'accroche moins. Non, mais. Ouais, bon, bref. Il est outré, tu sens son orage intérieur là. Non, mais dans ce cas-là, Zelda Breath of the Wild, c'est chiant. Bon, d'accord. Ah, mais oui, c'est chiant. Et puis on arrête les jeux vidéo, et puis on remballe, et voilà. Je voue une haine féroce à la licence Zelda. Oui. Zelda, c'est de la merde. Comme la licence la plus surcotée de l'histoire du jeu vidéo. Merci. Ah, mais. Zelda, ça a toujours été de la merde jusqu'à la fin. Quand j'étais môme, j'ai voulu y jouer sur Nintendo. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 30 secondes, vraiment. J'allais dire, il y a un Agbu qui sommeille en noix. Et voilà. Non, mais enfin, j'ai même pas à répondre. En fait, vous vous ridiculisez juste en parlant, quoi. Et puis en plus, bon, ça vient de la part de gens qui regardent Fast and Furious et qui se pignolent sur Vermintide 3. Déjà, tu parles d'un là, jeu où on te ment sur le titre du jeu. Ça aurait dû s'appeler Link. C'est pas clair. Alors déjà, on exactement. Parle mal. Hein c'est pas clair, Zelda. Dès le début, c'était mal parti. Bon, Chips, toi qui es un homme sensé. Ouais. À propos de Zelda? Non. À propos d'un truc comme Sable, tu vois un jeu, est-ce que tu es capable de triper sur un jeu juste pour quelques images et une ambiance ou une direction artistique? Non, pas trop. Je suis capable de triper sur un jeu pour des dashs et des trucs à savater, tu vois, vraiment. Mais non, pour c'est quelques images, non, pas trop. D'accord. Non, c'est moi les dashs, ça me fait plus triper que les images contemplatives. Ok. Voilà. Bon, Sable, c'est carrément un rip-off du trait de Moebius, alias Jean Giraud, donc ouais. Dessinateur, illustrateur qui est mort il y a quelques années et qui est un très grand génie. Qui a fait Astérix. Ouais. Ouais. Et Lucky Luke aussi. Lucky Luke. Mais non, bah moi j'aime bien ce jeu et puis je vous emmerde. Et puis... Non, mais il va être bien, mais il va être bien. Tu sais quoi, ça va être ton jeu de l'année. En conférence de rédaction, tu vas faire oh, bah, c'est absolument moi qui dois le tester. Ouais. Et puis tu lui mettras 7. Non, et puis voilà, je comme je dis. Je mettrai 10 sur 10. Et puis, je serai content. Parle-moi d'un autre malware core qui est 12 minutes. Ah, ça a l'air trop bien ça aussi. Ça, c'est un jeu à boucle temporelle. Donc, toutes les 12 minutes, ça recommence. Et on ne sait pas exactement non plus, on n'en apprend pas trop. Enfin, c'est une sorte de thriller, c'est-à-dire des images qu'on a pu voir, c'est l'histoire d'un couple. Alors, c'est vu du dessus, vous allez voir sur les images. Vu du dessus, dans une pièce, ce sera toujours au même endroit, dans la même pièce. Et c'est un couple où, si je me souviens bien, il y en a un des deux, il y a un homme qui va rentrer dans l'appartement et tuer une des personnes. Et on va revivre indéfiniment ces 12 minutes en essayant de changer les choses, en fait. Et voilà, il y a des super acteurs, il y a Willem Dafoe notamment, et ouais, ça a l'air trop cool. Voilà. Tu vois qu'il y a un problème déjà dans le pitch. Pourquoi? Tu mets en avant les acteurs. On va rester confiné dans une pièce, à devoir enquêter sur des choses. Justement, bah c'est trop bien. Mais où est le sang dans tout ça? Spoiler, 7 sur 10. Je crois que j'avais vu le trailer de ce jeu, ouais. Sur le coup, je m'étais dit « Oh !» Et quand j'ai vu que c'était la même pièce tout le temps, j'étais moins chaud.
Mais ça leur a pas coûté cher niveau décor. Ils ont vendu 300 exemplaires, c'est rentabilisé. Bon, Yvan, moi je te préviens, c'est ma dernière émission. Aussi simple que ça. Viens ici, je me fais insulter par des gens en plus au goût quand même plutôt douteux, et ça se voit juste à leur apparence physique. Hein. Donc assez disgracieuse. non mais. Et toi, Yvan, t'avais aussi tes petits jeux sélectionnés. Oui, alors moi j'avais mis Diablo 4, mais bon, j'ai aucun espoir en fait, c'était plus pour la blague. Mais je l'attends vraiment, et comme on n'a pas vraiment de date de sortie, pourquoi pas, hein, une bêta, allez, why not? Parce que c'est un peu le... Ouais, c'est vraiment le plaisir régressif, quoi. Ouais, mais tu crois pas justement que ce que tu recherches en jouant à Diablo 4, c'est vouloir retrouver ta jeunesse de quand tu jouais à Diablo 1 et Diablo 2, indépendamment des qualités du jeu? Ce qui est aussi le cas du rétro gaming et de toute la nostalgie autour du jeu vidéo. Non, je suis pas sûr. Enfin, retrouver des gameplays qui m'ont plu, oui. Non, j'irai pas jusque là, en fait. Mais je trouve qu'il y en a pas des kilos des jeux mais qui ont pris non. La succession de Diablo dans, en fait. Dans un Diablo... Il y a eu Torchlight, mais qui n'a pas réussi. Ouais. Il y a différentes façons de jouer à Diablo. Tu jouerais plutôt comment? C'est-à-dire tu recommences le jeu jusqu'à passer dans le hardcore, du Nightmare, du Hell? Ou alors c'est plus en mode chill et je ouais. Me balade dans les donjons? Ouais, moi je suis plutôt chill. Je refais pas les jeux, jamais. Déjà, quand je les finis, c'est un miracle. Du coup, pas de Mephiron? Non. Voilà, Balrun, hashtag 649, plus 35 de Magic Found, ça te va pas, quoi. Non. Et il y a quelqu'un qui le cite sur le chat, pourquoi t'as pas fait Path of Exile, qui est considéré comme le vrai successeur? J'ai essayé, j'ai pas accroché. Il manquait... Diablo, il y a cette... Il y a, comment dire, cette alliance entre l'ambiance, la difficulté, et Path of Exile, j'ai pas pu, je sais pas, ça a pas... Voilà, ça a pas pris, quoi. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et t'as aussi mis Humankind? Oui, j'ai mis Humankind. Donc c'est le 4X qu'on attend, encore un studio qu'on a déjà cité, donc Amplitude Studio, qui est studio parisien. Donc c'est un concurrent de, ou une réinterprétation de Civilization. Et alors le 4X, c'est carrément mon truc. Civilization, j'y joue encore régulièrement, le week-end dernier par exemple. J'y ai mis mes enfants et tout, enfin c'est voilà. Les pauvres. C'est tout c'est complètement mon truc. Et en même temps, alors j'ai pas essayé l'early access parce que j'ai pas envie de me gâcher le jeu. Et puis j'ai eu une simili mauvaise expérience avec un 4X de chez Amplitude. C'était Endless Legends, c'est ça, un 4X un peu médiéval. Ouais, c'est le 4X Heroic voilà. Fantasy. Ouais. Et j'ai pas du tout accroché, alors que j'avais bien accroché à leurs trucs spatiaux, les Endless Space. Donc j'ai pas eu envie de me gâcher l'expérience. J'attends vraiment qu'ils sortent en fait. Mais je suis pas absolument certain que ce soit prévu pour cette année-ci, à goût. Avril 2021, ouais, c'est marqué sur l'image. Ah bah bon, parfait. Ouais. Moi, j'y ai joué, hein, Humankind. Ouais. Effectivement, c'est prometteur. Je pense que si vous aimez bien les civilisations, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil. Moi, le souci avec les civilisations, c'est que je peux plus y jouer depuis que je joue à Crusader Kings, en fait. Ah, Crusader Kings, c'est absolument fabuleux. Non, mais en vrai, genre de jeu, ça peut nous plaire. Je pense avec Chips, nous, on est des grands fans. On n'a pas peur de se lancer en board game du Twilight Imperium pendant 8 heures. Donc, voilà, Civilization et compagnie, c'est dans nos cordes. Oui. Bah, ça a l'air, en tout cas, oui, ça a l'air très, très solide sur la base Civilization, quoi. Donc, vraiment, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ouais. Donc ce jeu, il était sur votre radar, Chips? Pas du tout. Non, pas du tout, mais ça parle là comme ça en regardant. Puis ouais, comme dit Noir, on a un peu joué à Civ, on a quelques centaines d'heures de jeu, ce qui est pas grand-chose comparé aux gens avec qui on jouait, qui font partie du top FR sur Civilization. Ah, il y a une scène compétitive. Il y a des Worlds de Civilization et tout. Pour l'anecdote, à un moment, on était trop pour faire une seule game de Civ, on était plein sur un Discord, et donc on dit, bon, bah, on va faire deux games de niveau, et en fonction du nombre d'heures jouées dans la bibliothèque Steam, on va répartir. Et là, j'arrive et je fais, moi, j'ai joué 500 heures, je gonfle les pecs et tout, genre en mode, je dois être dans le haut du panier. Et là, j'entends genre 2400, 2300, 2600, et je fais, quoi? Et effectivement, j'étais une petite merde à côté de ces gens-là. Et vous savez combien d'heures vous avez sur League of Legends? Trop. Attends, mais c'est un truc qui se trouve... Dans les stats du jeu, oui, vous l'avez, hein.
Je suis sûr qu'il y a des stats là-dessus. Il y a un site où tu peux trouver ouais. ça. Ça s'appelle Wasted on LOL. C'est tellement parfait. Mais après, on a plusieurs comptes, mais... Ouais, mais après t'en as un main quand même. Ouais. Attends, parce mais que moi, là, tout à l'heure, je regardais un truc justement sur Dota, sur Notail, le mec qui a gagné The International plusieurs fois. Quand il a fait la première fois The International, il avait 8000 heures de Dota 2. Ouais, mais c'est ça les joueurs. Mais non, mais c'est pas, ils sont entre 6 et 12 000. Ouais, c'est pas si énorme que ça, 8000. Ah bah quand même. Bah non, mais pour un mec qui a gagné 30 millions dessus, tu vois. Ah oui, bah l'heure de jeu a été bien rentabilisée, mais 6000 heures, tu fais 2 heures par jour, il faut 10 ans. Non, mais là par exemple, je suis sur le site et je regarde, mais je peux pas croire que j'ai aussi peu en fait. Ouais, ça pareil. Littéralement impossible. Ça doit être il y a peu de temps, il me dit 1160 heures. Ouais, c'est non, rien, c'est impossible. Ah ouais, c'est rien. C'est des chiffres de quasi. C'est un peu 22 jours et je pense que c'est probablement ce que j'ai fait dans les deux derniers mois. Donc. Oh ouais, non, je pense que c'est impossible. Donc bon, le mystère reste entier, mais il y a quelques milliers d'heures, ça c'est sûr. Bon, bah écoutez, vous voyez que cette participation ici vous a permis de découvrir des jeux que vous allez pouvoir suivre maintenant et attendre avec impatience. Grâce à Canard PC, c'est pas merveilleux la vie? Et sortir de l'enfer voilà. À LOL. Parce que les gens s'en sortent. Hein. Il y a plein de témoignages sur les forums de gens qui disent « Je jouais à LOL 8 heures par jour, et puis un jour j'ai arrêté, je me suis rendu compte que ma vie s'est améliorée. » Il y a des groupes de soutien, non, je crois. Hein. Non, mais je crois... Le truc, c'est que ça dépend comment tu prends ta game de LOL. C'est ça le truc. Comment tu joues? Comment tu pratiques? Si tu pratiques entre copains, c'est très sympathique. C'est si vrai. Tu joues tout seul, à 17h30, au moment de la sortie scolaire, ouais, tu pars en dépression. Vous jouez jamais, vous faites pas de solo queue sur C'est un peu rarissime. Un peu. D'accord. Moi j'y joue ouais. Un peu le soir, là, il y a moins de monde présent vers 4h du matin, donc je m'en fais quelques-unes parfois. Et ça, tu déprimes pas? Non, franchement, ça va, parce qu'en général, je fais des bonnes games, donc même si ça se passe mal, je suis content de ma game. Ok. Très bien. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Déjà fin. Là, à 4h du matin. Voilà, c'est ça. Et ma foi, puisqu'on est début 2021, on va se faire un petit trip vœux. Chips, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour 2021, dis-moi. Écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh bien, de tout casser avec notre nouveau projet. Hein, ouais, mais ça, c'est de la triche. De façon simple. sinon, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas, peut-être... Je sais pas. Est-ce que t'as pris des bonnes résolutions? Il y a un truc que je veux refaire. Bon, je sais pas à quel point ce sera faisable, mais je veux me remettre au sport de combat. D'accord. Voilà. C'est pas pour maintenant. Souhaitez-moi de me remettre au sport de combat, ouais. Mais quand sera possible? Ouais. Noah, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année? Outre, bien sûr, la réussite professionnelle et la gloire. En vrai, moi, un peu de tranquillité, ça me dérangerait pas. Je sors de deux belles années. Là, ouais, tu viens de monter une boîte, je sais pas si t'es non, au courant. Non, mais pas dans le truc du boulot. Moi, j'ai une année 2009 un peu merdique. L'année 2020 avec le Covid, c'était tout aussi merdique. En vrai, avoir un 2021 où il n'y a pas le ciel qui nous tombe sur la tête, juste ça, déjà, ce serait cool. Ok, Noël Malware, qu'est-ce que je te souhaite pour 2021? De plus jamais faire des émissions avec vous. Et toi, Agbou? On va continuer à vivre en jogging, parce que vraiment, une fois qu'on s'y habitue, on a du mal à remettre des jeans. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, Agbou, dans 15 jours, c'est toi qui présenteras l'émission à nouveau? Ben oui, eh oui. Alors écoute, d'après mes calculs, ce sera pile poil le jour où le gouvernement nous annoncera le troisième confinement. Ah, tu vas prendre l'antenne à 21h, je pense que Castex aura parlé à 18h, hein. Donc, eh ben, on analysera voilà. Tout ça avec nos analystes politiques. On invitera Christophe Barbier. On invitera Zemmour aussi. On fera de l'audience. J'espère que tu prendras un peu plus soin que ça de nos spectateurs. Et de ta tenue aussi. On a été très mal accueillis. Ouais. Je mettrai une chemise. Promis. Et que tu prépareras à tout le monde de quoi un peu se changer les idées. Merci à tous. Merci à Chips, merci à Noix. D'ailleurs, je vais inverser. On dit toujours Chips et Noix, c'est pénible. Merci à Noix. Merci à Chips. Merci. Allez. Merci parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça dans ce sens-là. Voilà. Hein. Merci à Sylvester Standalone. Merci à Monsieur Chat qui sont derrière cet écran invisible. Merci aux abonnés de cette chaîne qui rendent. Merci aux modérateurs.
Oui, merci aux modérateurs qui, tous ensemble, rendent ces émissions possibles, malgré des circonstances qui sont un peu adverses. Portez-vous bien, soyez prudents, dans ces temps troublés, pensez à cette maxime de Confucius que j'ai inventée pour vous. La route est longue et la fourmi petite. Salut à tous. Exactement. Et bientôt ciao. Sur la chaîne Canard PC. Passez une très très bonne soirée. Bye. Bisous. Tchuss. Salut.